Très bien, merci. On va entamer deuxième partie. Vous avez belé pour Zelango. Je vous avais déjà annoncé. Les amis vont réfléchir autour de l'actualité politique. Kinshasa m'a raté. C'est tous les jours qu'il y a des problèmes. Tous les jours qu'il y a l'actualité politique, il y a aussi l'actualité au quotidien par rapport à vécu na biso. Ah, vous avez eu un coteau, t'es où, Abimaki Nangaï, ou à Salaki Boebe. Mboko, très bien, on a quatre personnes. Lui, ça fait pratiquement. Attends, bah, ce qui est une année sous 2 ans, témoin à mon bari, on a mon aïkal. Patrick, et allez, l'homme a croisé. Allez, bonjour mon frère. Le collet belé, collet belé. Mon noué cravate, alors que ton noir habillé balé. Merci beaucoup. Plaisir et à mon soleil. Là, c'est fait Surtout qu'il y a une bonne l'invitation. santé, que Dieu soit loué. Merci. Alors, on va prendre Jenny Kaninda. Tout le monde, on va te passer à la festa. Jenny Kaninda. Alors, Kani, l'Américain au Congo. Normalement, ils ont prévu voyager. Je suis toujours informé. Allez, merci beaucoup. Merci d'être Merci, venu. Numéro Sango. Merci pour la semaine. Les semaine, il y a anniversaire, Mayo. On a passé de bons moments Un bon ensemble. moment. Bandeko, Bazan, à Paris, à Londres, à Raté, à Ouais, Mohamed. ouais. Bisous, tous les liens, tous J'ai dit vendredi, samedi, les 3 jours. Oh, et c'est des très bons moments qu'on a passés ensemble. Ça nous manque trop. Na Congo, tous a trop stressé. Soko tali ba réaction minga ba Congolais, quoi ba réaction à ba Kanda. Pourquoi? Parce que Bazan attend qu'on Il y a se détendre, t'étant, on se défouler la tête, bah, toi, comment Kanda, Kanda, na Congo. Donc, bah, répondre à la question par question. On posait une question, on a perçu une réponse, alors, on s'est donné à l'ébissio. On m'en est en gros, et bah, Donc, il y a un moment, il y a un moment, tu vois, on a, on te passe à l'occasion anniversaire, na yo. Merci beaucoup et joyeux anniversaire encore. Très bien, merci beaucoup. Alors, Gauthier, c'est lui aussi, il a pris part, hein, dans Miloulounion, ce point là. Vendredi, samedi, dimanche. D'abord, vous avez parmi ma surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. 3 jours après, Très bien. c'est l'anniversaire de mon fils. Ok. Très bien. L'anniversaire à Boutier Junior. Avouk si nane, hein? Un an. Très bien. Nga ipe na zaginde modérateur ya mariage na. Ça, il faut le barra déjà. Modérateur à samedi pour l'anniversaire à moi. Ah! Il faut accompagner pour les gars qui ont été Et puis fournisseur à café. Alors, de l'autre côté, on va terminer avec Focas Koukélémena, penseur lyrique, Motelayo. Na bandeko nanga na plateau et puis balandi nazana esengo parce que ezalaki pe mwana nga ya anniversaire au souhaita bengaki yango yango moins long ezalaki yo ezalaki puis Gérard voilà il pasaki nango ezalaki première dame pe le 8 mars voilà si non première dame le 9 le 9 Voilà. Fifi Mansouka et Lualaba les 10 nga les 11 donc voilà. Le 11 siko yo botaminze la moko na mwana na ngai réuni. Ouais. Voilà, donc mois de mars c'est ça moi mon cas c'est ma case pour Nabiso mais au même moment Nazali aussi frappé parce que beau-frère na ngai na kombo ya René Milay na ngongo toza ko loba corps eza na morgue na cinquantenaire to bimisa yango j'ai dit pour l'enterrement veillée mortuaire et ko sa le mana bikapi na fikine Azali moto a ebani azana baninga na ebele Alors, on a profité na etando ya moke oyayo po ete baninga baye famille Koukélémena, famille Milay, famille oyonyoso et ko s'identifier Moussaou et consort ba ya ebele na matanga po na to pesa ye au revoir na Yasuka et puis comme penseur lyrique na préparé des chansons parce que na banaye comme on a sous immédiateté Nazaki qui effectivement en dehors de la recherche nanga scientifique nabanda iko construire des chansons on a ici déjà bientôt dans les bacs donc barozo moko et puis après monsieur Rolanda donc musala to ko sala pour la république très bien nyonso ya mwana alors on va entamer bah échange mais nanga iko to gros numéro dans la carte de la société chacun émettre un avis libre nanga to kanisa bato bakenda ba église bazo sa pour bakende lola pour devenir de nouvelles personnes.
ma nouvelle créature. Les choses anciennes et les cas, batouba koma esika. Mais constamment ko ezali na ba église ebele batouba zo kende. Batouba zo kende be bande a partir ba église. Gogne mo reza la société, ça fait un temps. Oye ba jeune fille ebele. Bazo zala, finalement, soit instrumentalisé par des personnes mal intentionnées. Ou bien, eux autres, ils ont vraiment que Bassiango Bazapé n'a raison, mais peut-être manque il y a maturité. Bazo Koma Rossé laissé, peut-être un exercice, il y a dénonciation. Ou est-ce que vous avez la dénonciation? D'une part, Bazo Lobake, Nazo Lobayango, pour nous sauver ba âme. Mais de l'autre côté, vous avez ba âme, t'es pour Bango Bayoka qui sentiment, Bazo Luka, objectif, Moussousou, qui n'a rien à voir avec ba âme ou Bango Balingi ba sauver. Pour rappel, tu assistes qui n'a pas phénomène, andenga andenga. Banana maman Mimi, qui n'avait rien à voir avec l'église, mais je parle de la femme. S'il faut parler des hommes, tu banana maman boa chibola. Tu longwe, tu yukoye, kore, na makambouya Eliane, ba pheno, avec pasteur Moïse. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire aujourd'hui. Bino Bogota, là, si réellement, n'approche à moi, la moi, si on a, l'objectif était de sauver les âmes où il y avait autre chose. Troisième, to poussani, à part ba scandale et zobi manabatumusu qui ne sont pas les hommes des églises, mais moté mamabe zozanamile ba pasteur, on n'arrive pas à comprendre ça. Nous avons suivi quelques vidéos de l'église de Moïse Mbie, en pleine prédication. Le pasteur est libre, y'a roloban église na o yazo kanisa. Mais le pasteur a zo taclé à travers une prédication, quelques pasteurs, o yazo mon abazo comploté sur vinae. Makamboué poussani, 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 et longwe. Makamama et Kalambay. Kalambay serait mort, et nani serait très malade. N'a benga mon téléphone, n'a tigali ko zoaete, mais après, tu y a ça qui malaise. Et j'ai suivi encore une autre femme qui parle presque na ma makambou. Ou ezo ke nika na ba trewana ke, c'est une femme mariée, a longa soki Canada, soki wapi, a epoye en États-Unis, fala putana na Kalambay, fale ba tourner ba clip. Finalement, il y a eu ko sala malakati. Kalambay a bibagi na e trois fois selon les témoignages, y'a moi na moi siwan. Koto super na yoki Eliane nani moi sur Azalaki ya Kalamba ya Kala semble-t-il azomona que siko ya komi na raison ba dénonciation ya Azalaki liboso concernant mobile. En fait moi salté mo kezo tambola na réseaux sociaux et komi vie normale ya ba pasteur. Parlons des églises de réveil. Qu'est-ce que l'État devrait faire pour remettre un peu de choses en ordre? C'est comme si Batoubaza en esclavagisme, Batoubazo Kendekousabila. Mais quand ils arrivent là-bas, les spectacles Batoubazokouta, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Bandimie Sengeli ba Salanini face à toute cette situation. L'État est Sengeli à Salanini pour sauver le meuble. Trois minutes, chacun de vous est libre ou quatre minutes pour mettre un avis en Batoubakota politique. On commence avec vous. Bon, la consul, ça, alors, on a un sujet aussi, ça, qui c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Oh, voilà. Papa est allé. Voilà. Monsieur mon père qui séjourne depuis hier, en France, et ma soeur Aziz. Oh. A profité, n'a, souhaité, bah, heureux, anniversaire. N'a papa. N'a papa. Très bien. Au moins, la bise, au ma tata, là. Ok. Mon père qui est presque, pas presque, qui est mon mentor, ouais. Namakambo, na Salaka. Ouais, ouais. Que Dieu t'accorde longue vie, papa. Amen. Pour venir maintenant à un sujet, Nayo, qui est un sujet de société majeur, pour rebondir la route, tu bandes qui déjà des bawana hors plateau. Ok. On a longuement parlé, tu échangé na bandeko, on était presque na ba vu moko. Maintenant, le Cambotouni, qu'est-ce que l'État peut faire? Je veux répondre sur deux volets. D'abord, il y a un moral. L'État, il a Azana ma kokuanate ya kokota pour na couper sa ordre sur ce qui est moralité ya batu parce que babuki mube komokote ya loi semble-t-il. Mais quand même l'État azana musala ya kosala parce que l'État azo accordé permission à n'importe qui d'ouvrir une église. C'est là où responsabilité à l'État les a engagés. Pour Moutoala, il y a la Moukazu vision. Aïe, à ton église, au moins, on a, n'est-ce qu'on a balabala nazali. Trois églises. Sous ce talani, sous ce pembeni. Naza chrétien, je dois d'un rapport naza chrétien, pratiquant. Mais, bah, kambo, eux, salama, ils ont heurté
boyambi na biso. Esengeli l'état atako makambo kosa les ebele, makambo yo pe oyo ya nyamu nyamu ya immoralité oyé koti esengeli l'état azo responsabilité na ye. Ce qu'il faut ba botola ba msusu ba droit na bango ba pesaka bango pona kosangisa bato ndenge basangisa kawana kote ya esengeli l'état frappé. Mais et le cosa quand même curieux, c'est aujourd'hui au-delà église, mais toujours le bel église, exactement il y a sensation, il y a sensationnel. Pour je peux pas comprendre Yomutu pour parler de la dernière vidéo en circulation, Oye Yomoko Kobanda Koloba, ce que vous avez fait en cachette et ce que Tomeki Kolanda librement et de façon consentie. Na ebite ce qui est souci ya koyebana ce qui est obalobaka quête effrénée ya buzz mais généralement de plus façon globale Congola komi na je dirais na culture wana ya ko exposer tout même des choses qui va à l'encontre ya personnalité na yo pourquoi Naza na ya noté, mais eza ma kamo ezo enquêté. Ezo enquêté ko le kasusu. Pourquoi? Parce que tant on a fongo le réseau social, na kena Twitter, na kena Facebook, bo bel sujet wana. Je dis, avec tout ce que le Congo a comme problème, mais on oublie l'essentiel. Tala et sika toye ko se concentré. Toute catégorie confondue. Ben intellectuel, ba tout. Donc, ça veut dire, moutou nyoso a s'accaparé sujet wana. Nde yango sujet actualité lelo na ba réseaux sociaux na biso ça m'a attristé sango au-delà makambo bato na basali mais kota la biso bato place ya choix automémi et si quand tu yango to ti yango au doto to ti yango na sommet yango ne zo occuper ba conversation na biso na lukina tala la alabi na melelo za rentrée parlementaire na tali na ba sujet d'actualité personne n'en parle alors que rentrée parlementaire ça a une importance ba kasi ozo sala malilo mais ils ont relégué dans second plan fait des sociétés oyoyo qui est pas honorant ni pour la femme ni pour l'église ni pour la société ya oné muteza lelo élevé au premier rang ma piste de solution pour la aussi lisa il faut l'état azoa charge naïe ça c'est le premier point deuxième point ils ont souhaitable mais ça peut passer ils ont souhaitable ils ont passé pourquoi parce que au sein des églises de réveil il n'y a pas une autorité, je dirais, pour emprunter l'expression, ils n'ont pas politique, autorité morale, qui peut aujourd'hui interpeller bahi pasteur, bahi centre, ou le bazar pour suyer image église. C'est la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Qui peut aujourd'hui se lever et dire à ses pasteurs, à ses centres, que ce que vous faites, nuit à l'image de l'église. Nuit au foi des personnes qui croient à l'évangile que vous prêchez. Il n'y en a pas. C'est une lacune, c'est une faiblesse. On aurait souhaité, j'aurais souhaité qu'une telle, que Moutoua Bongwa, le Lenga Bongwa Zala, pour ce monde à l'élo, toujours le baron a conseillé, quand la monnaie scamo va commis, va bengi, moukwa kombe à pasteur, au pasteur Poutine. Ce monde-là. Les élocos, pasteur qui devait être un modèle dans la société. Mais t'as là, c'est comme espoir et abattu. C'est comme comparé, comparé à Poutine. Balobi, le quoi, ça, on va bien avoir Satan 1 à Satan 2. À Robin Sango, on a 22 heures. Tout ce monde-là, c'est qu'à Tokomi. Toujours le bel angle, on a moins que c'est qu'à. Mais c'est terrible, c'est grave. Alors, Focas, moralité dans le Congo, les autres, n'est-ce pas, n'est-ce pas, rentrée parlementaire de tous les enjeux. Oeza, important pour la histoire en Mboka Nabiso. Tous les années préélectorales, Makambozo s'est dessiné en dengue belé. Bato baza va mort, une année le 12 avril. Là, ouais. Donc, Makambozo belé, tu as prétendu remaniement depuis le début. Tu sais quoi, Salamina a noté, mais ça toujours en gestation. Peut-être que Salama, Makambozo belé sur la table, il y a des députés, ou est-ce que tu as étudié, Congola, Bossani, na union Sowana, a privilégié plus Masolo et Mitakala et Abato. Bolumbu et Abato, il y a un débat. Et au centre, ce sont des pasteurs. Et quelques jeunes filles, dans le bar déjà que Tchela comprenaka COP.
Tchel et Akala, Bakabasi Andouba, mon pono, ma fille à mon pono, tout ça. Mais Tchel a compris, Tchel a comment commerçante, il y a Bilamana Wenze. Tchel a comment moi, Namoussala, dans cette entreprise. Tchel a comment soeur dans l'église. Tchel a comment étudiante. À côté, il y a un mulier, Nyons. À la Takabie, il y a un Tchel à domicile. Bazo sala musala nyo sur basse andumba mais la seule différence mode opératoire les amoko mais ba kimi mwa muke ba boy ko s'exposer baza à domicile ba benga ba delays bazo delay et ba nickel alors ba delays wala bazo kota partout pona bango ko ya ko beta lisolo ke na bimangi na pasteur azo trouver ngo normal na matoi ya bato et puis dans les réseaux sociaux est-ce que l'état a quelque chose à faire dans ces histoires ou bien il faut kaka moral ya bato ko rappeler bango ko sensibiliser bango curieusement Et ça guérit à ma pasteur, où ils allaient exposer aux vies au-dessus de tout le monde, l'église de plus en plus fragilisée. En tout cas, pas si dans mon thème, que le Likambo y a boué, dans la société, où ils allaient que l'Obama était, ils allaient à vocation divine. Parce que ce qui est moni, même si on a dit, le col est en bas là, Mi loulou et salemaki, basal nan zambe, basenga kiye azwa e kolo a kaba yango e pa yang kolo. Pe a salaki yango, to monaki, mi loulou wana. Mais, so ki na kolingana aborde question oyo, na aspe a question na yo o linkolo ba ete, l'état ko ki ko salani. L'état, effectivement, Moussala na ye na kat na société. Ezali yakotia ordre. L'état n'existe que pour na kat na société milinga milinga ekoki kobima mais souka na yango moto atiaka molongo na kat na moto ya moto ali l'état. C'est pourquoi nyonso o l'état boyaka. Soko luki yango na Bible. Okomona ke yango penzamba telemiraka. Donc fonction à l'état ezali au fait ba prérogative ya nzambe invisible. Parce que dimension on a batu ba ignorer ngo mingi. Quand Dieu créa a tondi si biloko na mokili, akeli batomi bale n'est pas yu papi politique et bandi alobi gouverner le monde, dominer sur ce que, voilà, donc, portion, il y a gestion, il y a responsabilité à moto. Nzambe mouta pesaye, pour être à ordonner, à contrôler, à surveiller, nyonso o nzamba kele. L'État a la possibilité, y a qu'on freiner ba ilan wana nyonso. Justement, dengen de quoi, ou tcholo ba, kaka, par le fait que, nakat na société, soribo vandi, makambo o bozali komona, Yangonde ezali soubasma ya bayi batu ya bwanya na kobimise la ka mibeko. Mibeko ezali au fait, ce que nous observons et que nous trouvons que ça dérange et que ezali ko tchabiso kimiate ne pa yuapi batu na bwanya bayaka kobimisa mobeko. Tozali na ba député. Tous allés là-bas chercher, tous allés là-bas intellectuels, tous allés là-bas parents, il faut si koyo. Dengen de kolobi que absence y a mibe koyali. Effectivement, ce qui est absence y a mibe koyali, mais le ko là-bas fait est ali maintenant disponible. Donc, à partir des faits observés, il faut si koyo mibe koyanda. Parce qu'en fait, mibe koyalara avant ba fait nanu et précédaka apprendre mibe ko et koyanda. Par exemple, na sepeli na yoro moro lobi était Ne koloko la pasteur mbie. So ki a salimbeba. C'est-à-dire que il a des responsabilités qui n'a pas de sanctions. Mais président de la République Nabiso. Ozoko comprendre que Azali président le premier des citoyens. Mais il y a des sanctions réservées pour lui. Mais comment mbie est responsable à l'église tangi kombo mbie na englobe ba pasteur nyonso ozo ko benga. Ba bishop, ba interbishop, ceux qui ba pesa rasus ba kombo nini ba ngomoro ba yebi. Mais ils ne sont pas inquiétés. Bazalite na moto. Bazalite na loi. Oyo ekoki ko inquiété bango. Ils ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas jugés. Kaka ceux qui asali ba
infraction à droit commun. Mais par rapport à la spiritualité, par rapport à la gouvernance, il y a l'église na bango. Il y a à boire et à manger. Ngai effectivement de kosango, na zo epsayo que na intervalle il y a 6 maisons na balabala nanga. Je dis bien 6 maisons. Donc 3 en face oyo, 3 en face wana kuna, on a 3 églises. 3 églises. Alors, osomo on a déjà que tangusko okotala bato o balo kamba beglise ango. Mais franchement, alors, place l'État pour aya. Alors, nous sommes pendant le mois de la femme. Oyo mois si azo ka esengo, ndenge ndekwa lobaki, makambo eleka ki entre yo na mobali. Posa ya nzoto, kokwe ya ekobo, bokana, finalement, eza makambo bosa ki bino mibali. Mais luxe nino bato bazo trouve koyaka na réseaux sociaux, na télévision ya mindele ya réseaux sociaux, po babeta bolumbu na bango, pour quel objectif? Parce que toka ki balangaja na zo sala bo pona sauver ba âme. Est-ce que ba bazo bika to ba âme bazo koufa? Ba sauvera ba âme na ba dénonciation ya le bon côté. Ba sauvera âme en l'air prêchant la parole. La parole de Dieu est claire, yo kouto za la ramo, Christ ya solo. Ba to olo dans la plupart des cas. Ba sali pe ba chrétienté. Bien que baro kende na ba église. De ko sango nazako yepsu ya solo. Na moni, maître Moutou. Oyo azali avocate moko ya place, avanda kanande konanga ya mobali ou a outiko koufa. Azali, mo Christ ya catholique. Azali na ba église ou a rêvé te tchaka makelele. Mais je vis l'amour de cette dame. Comment elle se donne pour que vraiment a enterré moto ou avanda kinaye. Vous sentez que avec amour, en tout cas, na monique zana batou extraordinaire na mokili ou. Mais c'est une dame qui ne crie pas kaka catholique ou a pamba. Mais aux hommes, on a un vrai amour. Mais qu'est-ce que c'est que bisika? Il y a bateau, il y a église, il y a kocha makelele tout au long des journées. Au comment on a même amour, il y a pas besoin d'en côté. En réalité, bah, regroupement, il y a païen. Bah, sangani, pour n'a kokende ko ça la maquillage, qu'on distrait la population, des églises. Oh, en réalité, ce sont des digablos. Très bien. Ce sont des digablos. Alors, Gauthier, c'est les pasteurs qui devraient être modèles. Branham disait, quand vous allez dans une église, au lingo yeba mate à pasteur à te, niveau à spiritualité église, regardez aux femmes. C'est ce que Branham dit. Regardez aux femmes. Mais aujourd'hui, maintenant, vérifiez toutes ces églises là, bas, si n'a pas de je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes pendant moins de la femme. Nathalie Mouassou Azoro, pour la Makamboa, Mike Alambaye. Mike Alambaye qui est déjà presque affaibli après divorce, n'aïe. Circonstance à malade, est comme lié. Il n'y a pas une bonne communication, on ne sait pas comprendre de quoi il s'agit. Mais ce qui est grave, à répétition, bozo va nakaka, matela kingai, bon, alongola kingazemi, bon, ngala lingaki siko boye, bon, ozo lukani, na yina sauver milimo. Bon, ozo sauver milimo, oui, mais oyo ki bilengi trois fois, o sauver milimo, na, yali botsu ami balet, on n'arrive pas à comprendre. Moutou mon côté azo dénoncé que ba violé, ça dit, bangonyon so bakouta nakana ba pasteur wana na ba rendez-vous. Au violer la première édou la CPL, il violait sous deuxième fois. Ça dit, bah, violer, bah, on a programme. Et ça, la biso passe. Ce qui est vrai, comme tu l'as dit, l'essentiel, totiki yango. On est tombé trop bas pour s'occuper de la Babylone, quoi, et des sociétés. Et bomi, bah, merci, na biso, mais bah, tout, bah, instrumentalisé, yango, et ça, basi, na, bah, pasteur. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ici, Ndeko Sango, il s'est dit qu'on fixait, bah, c'est d'abord un problème d'éducation. Na, on y a, surtout, comme on a, na, bah, itandoïke, ils ont la pasteur, ils ont la maman, elle qui a éducation. Moto, ils ont éducation, et puis c'est comme éducation, il y a l'ibot en aïe. Et l'histoire a été l'ibot en aïe, il y a une éducation, il y a l'ecclésia. Ce qui a raté l'ecclésia, éducation scolaire, une éducation diffuse. Il y a balabala. Donc, comme on a nion, ce qui a roulé, les éducations, il y a balabala, où il y a pasteur, ou un, bah, qui est au et, il y a un esco, comme un bot en bouma. Romona na kati ya Biblia ndeko sango bato nyoso basela nzambe Pierre ozo ba Paul nyoso bazwa ka formation bato nyoso ba rana Yesu yango no mona ba disciple wana nyoso Yesu azala raté mais tango Yesu aye ba ba se reconnaître na kati ya Yesu pourquoi parce que c'était la théorie et ressal ce qu'on a pratique koya ya Yesu za esko pratique ya o ba ngoba ndeko te ya Jean-Baptiste a mitune za mo no tande rozela afringa ya ya ou bien ye yasi aye et puis ba mini ko mona bisale linaye nde makambu bango bando sani bande ko sala. Et tant que tu as la poste de Soana, tu as la poste de Soana. Docteur est Paul. Mais si tu as la poste de Pierre, tant que tu as l'église, tu as la poste de
Bah, ceux qui j'ai ceux qui j'ai pas tant que c'est management et église. Denis, qu'on gérer bateau. Sociologie, côté, psychologie, côté, parce que je suis à société. Comportement, bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce que, t'as la carte ecclésia, oh, y'a l'élo. T'as l'ecclésia, l'élo. Bon, y'a ce va au Kambabiso. Bah, outi, wapi. N'engenin, bah, au Kambabéclésia, bango. Est-ce qu'ils sont réellement pasteurs? Bah, pata, moli, mon abango, banani. Banani, bah, ordonna, bango, bah, ba pasteur, bah, batelimpate. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que quand on continue à Mozino Makasi, au Gomona, c'est des pères en fils. Est-ce que un fils d'un pasteur est forcément pasteur? Non. Ce qu'on a dit Makasi, aïe koyembe l'anzambe. Nzamba pese mon nom koyemba. Atiar l'obanzambe nanzelara koyemba. Mais moi, comme si pasteur. Ami botisi katina évocation. Est-ce qu'ils ont été appelés? C'est ça le problème. Parce que Bible le bien était. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tant que vous avez une vérité, au lieu de vous avoir une mobilité, Moli mon révélateur, le Saint-Esprit. Oui, ben, moli mon ben, arabango. Et ça, moli mon est sur la rabindonyonso. Et là, tu suis là-bas, sans qu'on ait au latis, là-bas, pembe. Ou bimi la katia mokili. Et n'y gobete, nyon soit mabe, au salaire qui lobby, nzamba longolo, a brisé yo. Ou ça, mais comment yo qu'on est se retrouver sur la banque en bois pendant que tu es appelé? Pendant que tu es appelé. Bah, oui, ça veut dire, yo, mon arrête Pierre qui yanké, Pierre, kata m'toulitoy. Au moins, la raté, j'ai dit, moi, à sacrifier à Yesu, accomplissement de parole, et l'autre remis, c'est l'accomplissement de la parole, parce que Bible veut qu'il n'attend pas souka, bon, au moins, là-bas, faux pasteur, bah, moi. Mais non, mais c'est grave, ce qu'ils sont en train de faire. Ici, moi, je ne suis pas d'accord, tant que Banebo, le être l'État, et c'est un gars qui m'obé, ou bacha, mini, moko, boué, basala. Non, l'église, depuis, époque, yakala, l'église est organisée, quand elle m'a commis. L'église est organisée, n'est-ce pas? Ce qu'on a dit, Bible, au moins, là-bas, ben, là-bas, sage. Babeng araba ancien, babeng araba prophète, babeng araba pasteur, babeng araba apôtre. Betap nyonswana, eza betap nini, ya organisation akat ecclesia. Ya mwono mwena tan wakala, tan tozay na ba tout puissant ba pasteur te. Pasteur ou kosa nambeba na kat eglise, posa moto, bo kondimanu e kwe imwa mouke, ba sage to ba ancien, ba bengisyo, ba bite mwana, bibi elobi boye. Awa kwe vandanan. Ba vandisyo, ba zui relève église, ba pesi relève na mtumususu, a zui relève, a bandi ko tambu sengumba, kino mokolo ba omone te yo, sengi bolimbi so tubeli ma bena yo, o zongi na makolo anzambe, ba zui ba zongi so ne tomba na ota, qui peut le faire aujourd'hui? C'est un problème d'église. Ces pasteurs-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba privatiser ba ecclesia. Ba mwono ba mal ba ministère, ba mal ba communauté. Et tous, ils ont les ministères, ou ba pesa ba kombo na bango. Communauté pour laquelle, ou ba tu ba bundani, ba sembelzambe ba tongi mais yo ye obenyango ministère Moïse Mbie. Mais c'est quoi ça ministère Moïse Mbie? Il fallait commencer ton ministère chez toi à la maison ton radia ya lopang no moko tombolango. Là c'est une communauté DG Botama. Ba to batia misisa, tu peux pas transformer ça en ministère non. Et c'est ce qui est à la base ya makamnyo so. Ya ngondo moni de kosang autour mona et ko ki ko kam sabisoté. C'est écrit na Osée chapitre 4. Ba tanga ngoka na verset 6. Mais soko ki titi na 19. Yesu ayib sera déjà ba ikulinaï. Alo bibino mabe boko sala. Bo te lubanzambe malamu te bo kwei sa bandiminae bo bete bana na bino basi na bino ba kwei na kindumba bana bino ba milangwa ba milimasanga bo mona esengote na ba famille na bino. Voilà ce que nous sommes en train de vivre, c'est que nous vivons chez Moïse Mbie et ko kamisa bisote tala nenga kaporaliser église tala nenga a kaporaliser toute une communauté et komi eloko na emoko privé. Ça ne peut pas nous étonner. Et plus grave encore de kosango, c'est du haut de la chair, des besoins se régler par contre. Donc, batatana, ba mama wana, ba yena ecclesia, ba yoka lobanzambe. Tu prends 20 minutes pour parler de ta vie, pour parler de vos relations amoureuses et pour s'attaquer à notre pasteur. Mais c'est grave, ça. Où est parti le pasteur Florent Moussité? Où est parti, ba papa, nyo somo li moussité, bete, un papa benga mouana, ba yfseke, ozo ke narobunga, chair wana e bomaka. La chair, c'est pas un endroit où okoya banda kousa mise nango. Nazo mituna pe moutuna. Est-ce que nzamba a changé? Tout nzamba kalawana zaka kino lelo. Très bien. Parce que nzamba kalawana, ndengo telemi wana obandi ba bêtise du haut de la chair, a frappé yo. Très bien. Donc, bref, pour chiter. Il ne change pas, il reste le même. Pour chiter, mais ça, il n'a pas bénéficié de la grâce. Nzamba commando yi. Et ça, grâce. Pour chiter, ndeko sango, oyo toko mona oyo, et ça, scandale makasi pour na bébé spirituel. Et ça, égarement makasi pour na bandimi. Mais c'est là où maintenant, bandimi, faut pas avoir responsabilité na bango. Na mona ba réseaux sociaux ba komi, ne touche pas mon pasteur. Non. Ozo qui ne ressemble la pour la pasteur te. Ozo qui ne pour la nzambe. Pasteur aza motoloro la yo. Ne soyez pas fanatique des pasteurs. Tant que pasteur aza nambeba, bossa la lobby moko, bon monae, bon c'est pasteur ou bungi, vandana nou, tobenga nan ancien songolo pakala, a tombo l'église. Parce que là, tant que yazo bunga bon, azo memabino tout droit na liboulo. Or, il faut pas memabino la lola. Merci. Alors, précieux, tu vas faire une mise au point là. Na rotanga moi mise au point moko, wa basaleli Francis Tatoa wa.
Moutaba hôtel à ba chambre 26, tout ça, y a ba MP. Ba salé les mises en point, y a ba tété là. Il semble que na église na y a bêta qui ba tété là. Les ba tété là sont des sauvages. Ba tété là ba sepelité, pasteur la koko le babon te ba salé mise en point. Nazo y ba té, eza immaturité, eza problème nini. Jenith, c'est quoi le problème? Non, mais bon, nga lingito kabola makambo bien. Parce que, et le retour à responsabilité à ba pasteur, na y a bandimi. Moi, je crois que ça relève aussi de la responsabilité à l'État congolais. Parce que, bah, l'église, wana, pour la plupart, n'est pas Eutaki. Eutaki, dans le système, il y a collège des serviteurs. C'est-à-dire, bah, tu vas beaucoup limiter ma avant. Bah, yokani, ou bah, monique, bah, zana, appel, yanzambe, bah, zotea. Bah, sangane, dans une sorte, il y a collège des serviteurs. Toutes les grandes décisions, il y a l'isanga, bah, zongope, na l'isanga. Après, bah, il va soumettre en haut, et pas à l'ingomba. Mais à un certain moment, l'État a eu qu'à s'imposer. Alors, dit, attention, il y a une église de réveil. Un groupe de prière, comme on appelait à l'époque. Sans oublier que un groupe de prière est outil pour certains dans le mouvement catholique. Parce que c'est dans l'église catholique où on avait organisé des groupes de prière, je ne sais plus encore comment on les appelle. Mais tu sais, le pays à la kaka. Les groupes charismatiques, les renouveaux charismatiques. Alors, bah, outil qu'on a tiré, finalement, bah, y'a ça, là, bah, groupe de prière. Maintenant, bah, groupe de prière, on a un évoluant, bah, tu vas commis 20, 30, 100, 200. L'État, a comme on a qu'il faut qu'organiser, en gros. Bah, le bina, bah, vous devez avoir des représentants légaux, na niveau, y'a mboka. Chaque groupe de prière est s'organisé, pour la commis, ça, représentant légal. Mais, bah, toi, on a, bah, ça, qu'on gère ensemble. Bah, ça, là, qui préparait, t'es que l'un d'entre eux, Abima comme loko la chef. A comme loko yende mouto akende go yoka go solo la kuna praye kwe bisa paninga. L'air mouto an a komi chef. Il n'y a pas eu un encadrement qui a suivi. Pona wala kisa mouto an a bon. C'est vrai yo komi chef ya baninga. Mais, oza, baza bangamba na yote. Ça, ça n'a pas suivi malheureusement. Ce qui fait que le lo yo bato an a baza loka ba représentant légal. Na ba église wana baza loko la ba nzambe ou ba vice nzambe. Yaza représentant légal, il s'est proclamé représentant légal, a sali be extension na ye, ba tu wana bazo dépendre na ye, ba omi benga ba père spirituel. Aza loko a vice nzambe, a loko a vice nzambe. Donc c'est des choses que l'État devrait après encadrer. Ba tu es représentant légal, ok, sur le plan ya mobeko, ye mouto aza wana. Mais ce qui se fait dans l'église après, ils a vraiment pas si. Mais moi, je crois que si le ministère de la justice, par exemple, Oyo et Pesaka autorisation à fonctionnement, Oyo reconnaissaka viabilité à l'église, Oyo ba Pesaka bango, moko na zomi, parce que l'église est foutu à l'État chaque fin de l'année. Toutes les églises organisées, nana mona dans mon église, c'est comme la fin de l'année, babongis qui enveloppe Oyo et Zokende dans le ministère de la justice. Alors, mais comment ne pas suivre le reste du fonctionnement? Il y a ba église, on a pas de makambozo de Kakuna. Je suis d'accord avec Patrick Eyale que makambo d'ordre moral, l'État a limité, mais l'État ne peut pas se montrer impuissant à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, ne devient pas pasteur qui veut. Ndenga loba ki yango. Non, non. Namboka oyo Congo. Avant, pourtant, comme pasteur à banda église, ba zana mibeko ba faire respecter Kabango. Ba kenda kako se faire enrôlé et pas à l'église, ils ont déjà une personnalité juridique. Le roquet qu'on a pasteur, on a adopté, yo, au commis le quoi l'église, moko, ils ont reconnu sous yé. Mais après, ce qui est église, y'a moukien, ils ont reconnu sous l'autre, yo, y'a moi, mounéné. Mais yo, ministre de la justice, tu dois avoir un regard sur l'église, on a mounéné. Parce que ce qui se passe dans notre environnement, ils ont appuyé ce que nous appelons aujourd'hui le NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Même Kala, dans les années 80, le pasteur, il arrivait aussi que des pasteurs tombent. Il arrivait que Basango, Bakweya, Babota même. Il arrivait que Mamelo, Babota. Depuis Kala, ça arrivait. Nous, on était encore jeunes, on connaît des histoires comme ça. Nous avons étudié dans les écoles, il y a Basango. Donc, c'est des choses qui existaient. Mais le loi avec l'avènement de la nouvelle technologie, et comme Penambo Kalabiso, la preuve incombe à celui qui veut se sauver, au demandeur. Il faut qu'on a prouvé que on a le besoin solo. N'importe ce que yango de tindi batulelo yo, comme misa makambo ya ba sex tap,
ami bombe la déjà preuve na na téléphone pour ceux qui aiment yekoti er yo wanga na keza ya yote abimisa. Est-ce que c'est par les soucis il y a koluka ko salir baninga ko suyer baninga ko ça la chantage ko ça la chantage ou ça aussi c'est une raison ou bata ko ça la batou ndenge to somo na même babavire policière le loyo eza ko circuler alors que ils ont salir en réalité image ya mboka na biso. Très bien. Mais tout ça ça fonctionne, ça circule sans que l'état a tellement aluka moi ya ko réorganiser yango par le truchement. Par exemple il y a ba député na biso, vous savez que moi j'ai toujours dit que le Parlement Otozanango, c'est le plus faible de l'histoire, Otozanango, où les députés ne travaillent presque pas. Il y a très peu de députés qui travaillent réellement. On va, je crois, on va parler de la rentrée. Donc, mais les vraies questions des sociétés comme ça, l'État n'intervient pas à Zotika, à Zotala, alors que Zola, il abandonne. Mais exactement, oui, il y a les Tosilisango. On a abordé le Cambo lobby à Joël Francis Tatou. Par rapport à ça, moi, j'ai une position assez nuancée. On est aujourd'hui, on vit dans la dictature de l'émotion et la sensation. Moi, j'ai suivi l'entièreté à vidéo. Denga Bandi, Denga expliqué. Je tiens à rappeler d'ailleurs que lui-même, Aza, on était là de par sa maman. Ça, on est tous là, on appelle ça des clichés. Bah, cliché, wana, écolo, n'écolo. Yambo, qu'on a vu sur quoi? Y'a caricaturé, n'est-ce pas? Merci, on peut s'en mot caricaturé, bongo. Ça dit, on a l'andillé. Pour la boy, dans l'ingaroko, t'as la dictature émotion, t'es instanté. La politique, on vit sur la dictature de l'émotion. J'ai pris le temps, autant la mobimba, y'enseignement, naïe. Je peux prendre position, pas pour le pasteur, parce que je prends pas position pour les pasteurs ici, je prends position pour son message là. La nuance pour na rolobaka na Congo, on ne peut pas c'est que bisomoko tolobaka parce que c'est sorti d'un pasteur et qu'aujourd'hui l'ère du temps pour être dans l'ère du temps et c'est lui cause la contre ma pasteur permettre ngai il faut pas tozala tomber maman na balotage à mon pépé comme mon pépé moko il faut la contre ma pasteur il suffit que et loko moko salama même ce qu'on temps on sent la réculté allez ma pasteur il faut j'en profite aussi pour dire ma baisa qu'en église de réveillé même chez nos amis les catholiques procès à te yarosala bakambla batawa mais non le problème moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec lui les problèmes à Isali biso to loba biso to tanga la bekolo yo to tanga la ba Sango penza me ala mo ana. Oyoka ba exposition abilo ko modèle wana. Ba erreur kozala. Dans toutes les églises tu trouves trois types de croyants. Il y a des vrais croyants, des soi-disant et des incrédules. Même l'église a Yesu bazalaki. Mais culture ya koya ko exposer ngo na miso abatu. Pour bando ça la débat na catholique oyoka ngote. Na biyamba muso oyoka ngote. Wo kimbangisa zolo beloka bonaka tsa TVT. Pourquoi kaka na ba église de réveil? C'est ça la honte. C'est ça la honte. C'est simple, c'est ça qu'il a dit. L'église des réveils n'est pas structurée. Quand vous allez dans l'église des réveils, on a la RSC, l'église réveil du Congo. Denis les ça il y a ceux qui éroqué. OK, mais mukuna ça na oya. Donc, ce ne sont pas des églises au basé na coordination moko, net église catholique, net église protestante que quand il y a un problème, on peut soumettre ça à tel à X. Maintenant, ils s'entrent dedans et ils se font la guerre. Et je me pose aussi une question. Bagna organi na limité. Et quand vous suivez ça, ce sont toujours les passeurs délimités. Ce sont toujours les passeurs délimités. Toujours eux. Ils s'entrent dedans, tout ça. N'évitez sur la guerre, à leadership, il y a le coin. Donc, c'est là où j'ai rejoint les amis pour dire que l'État devait maintenant organiser cette histoire d'église des réveils. Excusez. Ils ont quitté l'église catholique et les protestants, entre guillemets, qui ont des ordres. Molimo, Azago, Kamate, c'était... Mais, bango, bala, molimo. Ils font plus que ça. Ils font plus que ça. Et ce qui s'est fait, sur l'andine à cesser, ce sont les pasteurs qui instrumentalisent ces jeunes dames, ce sont les pasteurs qui instrumentalisent ces jeunes gens pour s'attaquer aux autres, pour discréditer, peut-être pour avoir diminué, peut-être pour avoir, c'est pas moi quoi, mais il y a un sérieux problème. Nous avions actuellement près de 4 ou 5 structures où ils ont organisé l'église des réveils. On va clôturer ce chapitre. On va pas, faut pas te oumer là. Il faut pas te oumer la place. Allez-y, faut aussi les changer. Tant appelle ça qui 4 canaux éducation. Moi, je dirais qu'il y en a 5. Le 5e, c'est l'église. Pourquoi l'État maintenant doit intervenir? Tant l'église, ah, merci. Parce que ce qui est éducation,
oyo batu ba raté bisike belé ba yesu ko raté mon église c'est l'état qui perd église ezala musala munene ya kosala en terme d'éducation yango l'état oyo église za partenaire na ye il faut l'état a téléma azwa likambo yo à bras le corps pour na ko réguler secteur église ko exfiltrer batoyo ba singelité bazala wana bien que na bandeli koloba c'est difficile de réguler la moralité tout bituna net le roman sur na sali bibe konini oyo bo tsali kolona ye pobo bo sele tumbu mutaye ye moko koloba na bimina mutu na sali bo osomona non mais ce qui azo arrivé droit est intervenir au cas où osos la imputation sur la personne dont tu ne détiens pas de preuve parce qu'il suffit pas de dénoncer te voilà voilà ce quoi comme makamususu le droit interviendra oui 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 jamais ponanga il est difficile alors très difficile quand on n'est pas un bon citoyen après okende na lola. C'est-à-dire qu'on peut se soumettre kaka na ba loi au l'état tcha pour qu'enfin okende lola. Parce que recevoir Jésus-Christ est un domaine moko. Fais de toi un bon citoyen. Voilà, fais de toi un citoyen. Parce qu'un bon citoyen, il ne va pas voler, il ne va pas injurier, il ne va pas. Donc, diffamer et tout ça, bah, interdiction, nyonso au l'état a tcha en place, ils ont cadré la vision, il y a divinité. Dans certains pays, hein. Voilà. Non, non, oui, c'est ce que. Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui. Pour chez nous, peut-être. Non, oui. Non, il y a les lots, c'est l'homme qui est en train de tout changer. Panti Valère Balobi Makambo dépravation des mers mais quand tu regardes l'état na originalité na ye sans que tokota na domaine oyo batu balingi ba mikomi sa banzambe to ba mikomi sa ba automate moi si abimana moi si mobali et puis ba komi ko komi sa ngope ke ba loi et comme paix sociétale mais en réalité ce que tali vision ya nzambe ne bandeli na vision ya l'état ne bandeli il réclame la même chose très bien conduite ya moto oyo azali ko tosa mibeko ya l'état Motowana Azali un bon citoyen, c'est un bon chrétien. Oui, Jerry. Otuni, pourquoi et pas Kimbangiste était, pourquoi et pas Sangote, Babilo Ranessa la polémique. Simplement parce que na ba église de réveil, il y a une race, il y a ba pasteur, il y a ba apôtre, je sais pas moi qui encore, oyo bazalo quoi ba parfait et qui font la publicité sur leur perfection. Donc bazo la qui sait pas ya bandimi et pas ya ba téléspectateurs. Parce que pour la plupart, bazana ba TV na bango, bazana ba radio na bango, bazo la gisa ke bazana ba homme saint, bazana ba santu. Ozo mona. Le fait de faire la publicité sur leur état de sainteté, le jour où les gens tombent sur leur bêtise, moindre bêtise, il faut batunyon so ba we la mbangu, moutunyon sa zo luka za la mouta libosu ya robinisa bêtise wana, parce que moutoua ye bisarabiso ke ya za la moussantu voici. Mais si les pasteurs pouvaient vivre humblement, si les pasteurs pouvaient vivre de manière effacée, ndenge ba sango ya kalabazalaka, parce que ba sango pe alelo ba komba pe na moi publicité, ndenge ba sango ya kalabazalaka, si les pasteurs pouvaient vivre comme ça, sobre, modéré, modeste, ceux qui bazalaki bongo, nde ba scandale les hommes ataboyete. Les hommes ata pourquoi? Parce que webi muto yo atomba mi makasi. Neti sango nenga tomba miwana. Facilement, soko latin zamba, nengo latin zamba la wana. Soko ozo mata. Batu wazana seba wasani. Bako na bolumbu na yo. Ozo mona. Et c'est ce que les pasteurs là oublient. Que plus ozo mata, plus ozo luka komata, plus oza ko s'exposer. Mais plus tu t'exposes, mon frère, nan a habité que, biso bato to le rana ba télévision, toza sujet, parfois yaba convoitise, même il y a ba femme mariée. Batu nyonso yo bazalaka exposé na batu. Ozo mona. Totanga ba journaliste pour aller na TV. Ba footballeur pour bazara na public. Ba chauffeur ba kumba ka batu. Ba policier, ba pasteur. Oui. En fait ba musicien, batu nyonso bazalaka en contact na public. Nous sommes exposés la makambo ebele. Nous sommes tous batu ba yaka na ba sollicitation ye moko azo ya ko senga. Azo biso clairement ke ngala za na posta to bota. Bo sikoyo Diloko ya bongo là, je rejoins mes amis au Balobiawa, likambo ya encadrement, je l'avais aussi dit, il faut que sunga batu wana. De sorte que Abdou Moussala, oui, parce que moi je me rappelle que ma communauté a cité Betel à un certain moment, batu nyonso bazonga kisima. Mais le frère Moïse à l'époque, il avait pris le devant. Il avait demandé à PCK à 6 mois, ba mwana ce qu'il fera dans sa communauté et il a fait ses preuves. Est-ce que le lot, il faut. Koti kaye ou il faut qu'on encadre et qu'on sungaye pour que
Alain dans la Moussala wana akouya te malheureusement et pas nabiso c'est ba lutte interne et ça là que dès que yo bandi komata ba tu ba se ligue il faut ba louker le dossier ba mbodi ba louker le ba mbodi o ba kobeta yo il faut ça ngakouya et puis dans tout ça je voulais voilà allez-y c'est que dit tu viens de dire na o tu ko tanga ba classe ba tu nyoso ba za exposé mais il y a une différence na exposition ba pasteur les pasteurs sont exposés mais ba na molimo o yo ba policier ba na ngote o ba juge exactement molimo walo ba za na ngwana et ça qu'on permettre l'angoisse d'être bouclier. Parce que ce que moni a coué dans Molim, on a sait qui m'aille. Très bien. Ça, c'est clair. Alors, ça, c'est. Moni a coué, bon, il n'a plus cet esprit. Attendez, attendez. Bon. Jenny. Ils sont l'image de Jésus-Christ sur cette terre. Un chrétien ne pêche pas. Ouais. Un chrétien trébuche. À quoi y a gâté? Chrétien, à quoi y a gâté? À trébuchaka. Non, un chrétien à soumouka gâté. À trébuchaka. Si ça dépend. Non, ce qui est en répétition, c'est combien de répétitions? C'est une vie. Ça, c'est une vie. Wane comme une vie, ça, c'est différent. Zawadi, ceux qui zawadi. Zawadi, ceux qui zawadi. Mais attendez. Très bien. Il y a un problème. C'est mon talali. Très bien. Pourquoi y a un problème? Un chrétien peut être plus revenu. Exactement. Nous sommes dans. La vie chrétienne est semblable d'un combat de boxe. De temps en temps, on cause au bakou. Ce qui compte, c'est Kokouya. Quelle est ton attitude après Kokouya? Tu dois te relever et continuer la marche. N'est-ce que tu as dit que tu as organisé? Ce que tu as dit, c'est que l'église, l'erreur est dans l'église, mais l'église est mis sous tout le monde, c'est que tu as limité. Ou soit tu es allé, mais stratégie à exposer, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Par exemple, dans l'église, il y a un message. Il faut comprendre que dans l'église, il y a un message. Pasteur, il y a un message. Église est autonome. Donc, on dit que le pasteur. Voilà. Par vote. Ouais. Donc, dans l'église, Branham, il y a un monde qui est en train pour des raisons, bah, bon, là, qui on a bassi. Pasteur, il y a la vie à malamouté. Pasteur, il y a escroc. Plusieurs greffes, il y a retenu, na yo. Bah, vérifier que ça y a un mot. Pasteur, il y a une église. Mais, ça ne marche pas. Ça marche. N'a qu'au tangé là, n'a qu'au tangé l'église. Ça marche. N'a qu'au tangé là, bah, quand les gens, s'il vous plaît, n'a qu'au tangé là, quand les gens, il y a bateau, il y a bengana. Pasteur penatique église avant. N'a qu'au tangé là, il y a des Ezali. Tu vois. Pasteur beau. Tangé le zala limité, kako. Une grande église. Ah, wow. Il y a une grande église du message. Et ça, la poêle. Bandimi, baboye. Babenga, c'est. Longue accueilli. Pasteur à longue église. A quel fond, la monsieur église, Joanne Tigal. Donc. Bon, mais les grands pasteurs qui sont connus là. Non! Là, tu ne vas pas. Ici, non, ici, ce n'est pas l'Ikambo. Ata n'est pas pasteur Barouti. Et ça n'est pas pasteur Dio. Comme un bon raso, le beau sous contrôle n'a bango. Ce qui pasteur à Tamboli ma bé, pasteur à Zana Vima bé, pasteur à Zana Escro, église est souverain. Bah, prescrit à Branham Ezali, au Kolongwa pasteur. Au Matao Kitokolo. C'est une bonne chose. Quand nous avons parlé, il y a un peu structuré ma cam. Oui. Mais l'église, on est dans le règlement d'ordre intérieur. Pasteur à Zosa, les locaux, il y a un peu caricaturé ma cam. L'avantage à pasteur. Et puis, pour terminer. C'est vrai que hier, à Zomi Lobéla Makamounaye, bon, on le voit, on dit tout ça. Denis Lé, si je dis d'ailleurs. Mais Denis Lessi, Balabasi Nyoso Bozoga na TV, Bazolo Bao, tout ça, malgré ma dénonciation à Bangwa, Lala Kinga, Sala Ngaboué, Bangwa Nyoso Bazolo reconnaître Denis Lessi comme, pas mentor, mais poteau d'attache, place au Bako Kenofunda. Denis Lessi est mieux informé na ba situation Nyoso Tozolo Bao. Donc, Anera va pasteur. Dans le service services à renseignement, ba pasteur. Denis Lessi est mieux informé, ba pasteur est belé. Ba kota na discussion na Denis Lessi, mais soit kota ka na chambre abimisi ba arme, ba luki négociation. Pourquoi? C'est parce que Denis Lessi, c'est le premier pasteur par lequel le scandale est passé à Kinshasa. Oui, les gars, ba TV, ba kangaye, sous prétexte que, a détourné à Mitouka, na Mbongo, na régime ya Kabila, a Kena Makala. Et les autres l'ont pas accompagné. Ba présenta que l'on la diable. Tant que y a Bimi, a ni squaz ou vengeance na ye. La première vengeance, il passe à la tête na Toubeli, to rendera pas Mbigoudi, to sala raboye, to zo rabasi, il a confessé. Mais les autres l'ont pris comme un divertisseur. Donc, Moutoumo Boazor a embrayé sur la TV. Et maintenant, pour laver son image, pour démontrer que je ne suis pas seul, Toza Ebele a créé Siko et Sok moi terreur, Moko. Et puis, à s'approcher, à mi benga yemoko, arche de Noé, Bangorodo, les arbres, Yabokota.
il s'est approché maintenant du public, là, il y a un scandale. Et, Aza en contact, en proximité, là, bango. À tout moment qu'il y a un problème, il y a moi, Zobi, masque, porte-parole, là, pour dire que, bon, moi, on a un ma moi, je suis ouvert, n'a pas eu ça, mais la ravine, c'est dans la boîte. Mais, bah, on a mis la vie, là, actuellement, ça, c'est la manzambe, t'as là, bango, bango, baba, hypocrite. La plupart, à bas scandale, les autres, salama, ou à dénilé, s'y maîtrise la situation. Et tous ces pasteurs ont peur, n'a eu sur la limite, d'a dénilé. Donc, bah, Zobanga, c'est comme si, Aza, n'a Satan, un Satan, D. De sera bimissia, ou à n'a eu sur ma église, et belé, panzana. C'est grave. Mais nga nazo senga na ndeko Denis Lesie. Abala ndeko nangai. Ndeko nangai de mama Tina. Mm-hmm. Donc beau frère. Nazo senga pasteur Denis Lesie. Mais beau frère. Tobongisi. Abala ndeko nangai. Tobongisi. Nga nae tobe banate. Enda kima busolo. Nga nae tobe banate. Nga nae toza la promete. Mwa si na ye ndeko nangai. Mama Tina. Donc nazo senga ye. Bana nyo so pa ba problème oyo baza ko exposer ba ni ba bigisa milimo oyo bazo bimana mabala oyo ya basi o bazo mona lokola poto d'attache place a ko ya ko funda pexa bano ko Denis Lesie pexa bano nano pexa bano batika ko beta makama mutakala na TV zobo mabana Denis Lesie mtu bimaka mboyo bien pexa bana soki ba liye manga mino sala biso nga ite Denis Lesie pexa bana. Basa la pétage à Mundelu. Mato ezo panzana, ça nous dérange. Ezo bo maba mers, yondo ebi makambo e bien. Tu maîtrises les dossiers. Makambo tozo lo bayambi. Denis Lesie vous donner de A jusqu'à Z. Makambo tozo lo bayaba kalamba, a ebi angoise. Makambo ba Francis Tatu. J'avais appris, il y a un pasteur à limiter ici. Ba kota ki en contradiction à Denis Lesie ne bandelika. Denis Lesie salaki abinake soukola. Tant on a zoya, na zobi sa satan un satan de. Ni un pasteur wana luki réconciliation. Donc, il maîtrise. Dans ma pièce. Alors, rentrée parlementaire. On va prendre la dénonciation d'un député, Ados Ndombasi. Ados Ndombasi, à sa dénonciation, vous allez suivre ça. On va se retrouver après pour attaquer la rentrée parlementaire et on va entrer dans d'autres sujets. À tout à l'heure. À travers une vidéo balancée sur la toile, le député national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement est cité en sigle, parti cher à Martin Fayoulou, à Ados Ndombasi, élu de la FUNA, dénonce la dilapidation des deniers publics au niveau de la chambre basse du Parlement. Il affirme que plus de 380 000 dollars américains sortent du trésor public chaque mois comme prime de carburant au bénéfice des députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation. Pour cet élu de la FUNA, cette affaire est assimilée à une corruption, comme ce fut le cas avec l'octroi des Jeep Palisades. Chers compatriotes, je viens encore une fois de plus dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, qui devait être le temple de la démocratie, qui est devenu le temple de la corruption. Après cette affaire de Jeep Palisades, que nous, députés nationaux de l'ESID et de la Mouka, avons refusé avec force, parce que c'était un acte de corruption. Aujourd'hui, les députés nationaux du Congo, de l'Union sacrée, reçoivent 1000 dollars comme prime de carburant. Donc plus de 380 000 dollars sont distribués gratuitement chaque mois aux députés nationaux appartenant à l'Union sacrée. Au regard de ces faits, Ados Ndombasi invite le peuple congolais ainsi que les organisations de la société civile de se saisir de ces dossiers et de dénoncer ensemble cette forme de corruption qui s'installe dans cet hémicycle. Chers compatriotes, chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ce sont des actes à dénoncer. Je le redis encore, nous avons dit non au Jeep Palisades, mais cette corruption qui se déroule aujourd'hui dans ce bureau à l'Assemblée nationale est intolérable. Il s'est indiqué que ces révélations aussi surprenantes interviennent à la veille de la rentrée parlementaire de la session de mars prévue, c'est 15 mars 2022. Qu'est-ce qui va arriver à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il faut s'attendre à quoi? La session parlementaire est bandit. Ne nous en tenez pas rigueur pour le premier sujet. C'était important. Au fond, la brèche, voilà, c'est la société. Important, c'est dans Ozagi Makas pour Toloba. On peut rigoler un peu, on peut dire quoi que ce soit, mais vous devez vous mettre en ordre. Nous devons nous tous nous mettre en ordre. Il y a des choses, il y a une vie privée, il y a une vie publique. Il y a des choses qu'on peut exposer à la télé, sur les réseaux sociaux, mais le comme il n'a pas de au vendu de moni moutou, à quoi il y a ça l'accident, mais il y a filmé pour battre dans les réseaux sociaux. N'a place qu'il va assister en premier pour l'amener à l'hôpital. Inversion à ma valeur là, ça ne tient pas debout. Alors, on va prendre le tout premier sujet.
On va commencer avec Gauthier Sey. Tu prends la main pour un premier sujet. Rentrée parlementaire. Vous avez suivi tout à l'heure dénonciation Yados Ndombassi. Na veille, il y a rentrée parlementaire. Lelo et Fungwami déjà. Alors, quels sont les vrais enjeux Oyo et Ozalana mois de mars selon lecture Nayo? Mais je peux vous donner quelques éléments de langage qui peuvent vous aider. L'un des principaux enjeux Oyo et Ozalama, na table, il y a des députés, notamment la loi électorale, batubaza kozela makambo loi électorale, la nouvelle loi électorale, batumusu balingi baba kisa quelques trucs, batumusu balingi pe balongola. Est-ce que vous avez une proposition na biloko esengeli balongola to baba kisa oye koyi ko mettre batou ne serait-ce que comme un accord pour éviter le pire dans le jour à venir, surtout ba ben descend onde to za globe. Vous pensez que aujourd'hui l'union sacrée qui a une majorité fabriquée oye komi ndenge komi a quoi accepter to que une élection à détour avec les bilas ou les en face na bango? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? La machine à voter. Est-ce qu'il faut toujours retenir la machine à voter? Selon indiscrétion, moi, on a joué qui, machine à voter, ça l'est maintenu parce que jusqu'à présent, bah, tu vas saluer ma réclamation en angoté. Fayulu qui avait refusé ça au début, candidat Maléré Naba, bah, pour Namia 2018, qui se réclame président élu jusqu'à présent, à Boya Kiango finalement Kakindaki. Est-ce que cette fois-ci, pour peut-être tirer les choses au clair, il faudra enlever la machine à voter, il faut toujours maintenir. Vous avez 6 minutes, c'est une question importante. Réfléchissez, chacun en aura aussi. Exactement, une question très importante. Le 15 mars, rentrée parlementaire. Mais dans Rolanda, on a dit Ados Nouba sorti Kouloba, et qu'il n'y a pas de l'équipe, il n'y a pas de. Nous nous sommes opposés ici, dans le palissade, et c'est Ngaïba Pessa, dans le député, pour leur dire qu'il y a encore des urgences dans Katia Mboka, et ces 10 plans ne représentent absolument rien pour Mboka. Batouana a un salaire près de 10 000 dollars le mois de Simbaka, et qui peut permettre de nouer les débuts du mois. Mais ils se sont quand même opposés à la recommandation de Bissonio Sotolobaki, mais près de 5, c'est pas moi combien de millions, ce qui est 25 millions, 27 millions de dollars. Pour bah offrir bah député bah djipwana. Et tant on bah offrir bah il faut prendre soin de ces djip. Djipwana est autant pour les cinq carburants et aux cinq entretiens. C'est tout à fait normal qu'il bah continue avec Mboso. Et c'est une façon, n'est-ce pas, pour Mboso de maintenir, n'est-ce pas, majorité. Majorité puis équilibre dans l'Assemblée nationale. Parce que en sa majorité wana et sa majorité moko achetée. Permettez-moi les termes. Parce que c'est le seul pays au monde où nous avions connu basculement majorité en pleine législature. Et majorité, on a ce qu'on peut vivre. Pour basomba qui envoie au somba. Et c'est n'est qu'on entretenir, yango. Et la seule façon qu'on entretenir, bango, et c'est n'est bloc, bongo, bongo, et zala, pour mbosso, azana, moi, maîtrise, ya bango. Mais sans ça, mbosso n'a pas, mot à dire, t'es, n'a pas député, on a donc, oh, tu es bien, déjà, à la population congolaise, bah, eba, bah, tenir, yango, bah, yango, au sérieux, pour que les échéances à venir, bah, eba, qu'on sanctionne, bah, to, oh, yo, bah, piya qui, bah, mbongo. Parce qu'à suivre ça, c'est près de 380 000 dollars. Ou est-ce qu'on a chaque mois 380 000 dollars de Kosango, ça peut commencer à construire une école. 3 ou 4 écoles chaque mois. Dans le secteur Songolo, par exemple, on a 3 écoles. Dans le secteur Songolo, 3 écoles. Donc, si on a 8 mandats, on a 2 ans, 3 ans, on aura combien d'écoles? Mais pour des individus, on peut savoir qu'on peut avoir une autre option, on a veste. Angers est à rentrée parlementaire. Angers a mené une loi électorale. Mais malheureusement, dans la loi électorale, on a 2 propositions. Proposition de Kodeli, c'est ça, à 5 tous, on a 2 tours. Proposition, il y a de Kodeli, c'est ça, porté par Pouloulounting, à 5 nationalités, des pères et des mères, pour ça, on nourrit l'ambition à la magistrature suprême. Et puis, chef de corps, après, moi, équilibre, mon colobi, pourquoi ma candidat président de la République, il faut à l'ancien député national, tout sénateur. Pourquoi ma sénateur, il faut à l'ancien député provincial, tout député national. Pourquoi ma président assemblée, il y a sénat. Donc, tout ça, tiens, moi, verrou, mon pour. Et puis, il voulait quand même comprendre qu'il y a une différence. Na autobingi, congolais d'origine. Parce que loi n'abissue le biété, quand tu es né d'un père, c'est pas moi, yambokanini, mais d'une mère congolaise, kobotami, awa, tu es congolais d'origine. Ce que botam pe na ba mama na ba tata mboka songolo para meyo botam na Congo pour une nationalité congolaise ou congolais de yabité ngam na botam na papa ya manyima mama ya manyima neni na rozala congolais ndenge moko na mtu botam na tata ya Cameroun ba créer quand même nuance pas wana pour ba koka ko verrouiller ba poste msusu. Et c'est cette loi là ne écrit qui ba problème au katumbi à chaque ligne rouge alors bien ceux qui va traiter loi wana qui ba aligner ngo ya rozala nini a longue majorité union sacrée. Et loi wana ba checker en frigo. Et maintenant que la question se pose, ce sont ces 2 lois qu'il faut traiter. Est-ce que le régime actuel, bas après,
y a qu'on dit ma deuxième tour raison parce que ça loi de liste ça la mais ça va traiter en haut tous on a la deuxième tour comme en 2006 comme en 2011 oh tu es bien tes deuxième tour et ça pas seulement coûté na ma bongo mais aussi et ça coacha moto a organisé l'élection on tu es bien Afrique bah président va arrêter on organise pas les élections pour les perdre moto a organisé l'élection dans le pouvoir actuel à sorte qu'il y a risque ben de quoi va qui ko sangela qui bota ba bétier. Est-ce que le régime actuel est prêt? Il y a qu'on dit que ça dépense de plus, parce que ça m'a sauvé sur le Baksama, et puis qu'on dit qu'on risque qu'on ait la deuxième tour. Félix Tshisekedi aura le risque dans la deuxième tour, ce qui va dire en gros, à Zalan face à Kabila, qui n'est pas président, mais il, qui aura un mois à dire, à soutenir il aura en face de Moïse Katumbi, qui tient jusqu'à présent Memba Kozala, et les autres, les Memba qui ne sait pas quoi prononcer, bien qu'à Zalan, c'est l'Union sacrée, mais n'oubliez pas aussi qu'Améry qui n'a pas encore dit mot. Un influenceur aussi. Voilà. Tous ces gens-là en face de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est un problème. Mais n'ayez que vous avez soit de Romora et Singa, le gouvernement peut proposer qui. Mais la disposition au gouvernement pour venir dans l'électorat, mais je me dis certainement, ça sera pour protéger quand même les régimes actuels. Parce que quand ça vient du gouvernement, on comprend que le gouvernement ne peut pas aller, n'est-ce pas, en désamour, na institution présidente de la République. Donc, na kati ya anje oyo, c'est là où le problème se pose. Au moment de Noël Tchani, a sengi na gouvernement, na mboso, na ba député, ba zongi sa loi, na ba traité en haut. Et si on remettait toutes ces deux lois-là sur la table, pour ba traité en haut, qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas? Est-ce que, parlement oyo, c'est sûr aussi là, toba kopanyanya, toto kota na arrière, y a traitement à question. Parce que je ne vois pas l'Union sacrée. Kundima, Kondima, tu vas jouer la deuxième tour. Toi, Kondima était, Bandimande Kokatumbi, bâti qu'elle est libre, chargé quoi que ça la candidat présent. Mais il y a un autre problème. Il faut soulever que, naba session yonso, depuis tu es bi par les maisons, à chaque rentrée parlementaire, une semaine ou deux semaines avant, majorité présidentielle et c'est réunis, ça, bah, pessi bango, bah, élément de langage, t'as un négotant. Mais qui n'a si quoi, bah, député, n'y a pas de parole là. Depuis Kabunda Kei, mouton 5, ça va moi zate. Bah, zongi ne, bah, kewana, Boulouyeke, bah, yébite na session élément de langage des anini, bah, zoalin nini, bah, aborder question de nini. Ils ne se sont pas encore réunis. N'a tout ni moi quelques cinq, en tant que journaliste, on a yébi, mais comment vous allez vous y prendre? Abino, Bahati veut nous appeler, mais Bahati n'est pas député. Seul Mboso peut nous convoquer, mais Mboso peut, à la carrière, t'es à imposer discours. Mon coup pas député, pour bah yoke la est. Il y a déjà malaise. Supposons qu'un lobby m'a acheté 1000 dollars. Supposons qu'un lobby n'a pas. Attends, lobby, au-delà de Mbongo, il faut un arcaru. T'as l'air de se dire que ça soit déjà par, par ni plénière, n'a kaboun. Au moins, il y a qui n'a pas de plénière, t'es. Mbos, on lui reproche un peu d'autorité, charisme, wana, et zo zangaye. Très bien. Et sur quoi, le problème qui va se poser dans la session au Ndeko Sango, les députés, ils vont en ordre dispersé. Députés, nous sommes à redéfendre selon point naïe, selon circonscription naïe. Donc, les régimes, la majorité, Union sacrée, ils ont qu'un éclatement. Ça, on doit se le dire. Ils ont qu'un éclatement. Parce que, moutons, ils ont battu un commandement. Oh, et puis, c'est que battu, c'est ça que je vais, j'ai, n'a qu'on vient à intérêt, n'a bino. Oh, et puis, c'est que battu, IDPC était beau, à la calme, n'a tant que président, n'a qu'on vient, c'est nous, président, oh, ils ont pas posé, n'a bino. Moutons, n'a pas sous-souté. Il manque un leadership clair. Bah, oh, bah, on a battu, Union sacrée, y a FCC à Kalana. Bah, député, bah, l'ingi, bah, moté. Bon, et bien, nous avions voulu, n'est-ce pas, que l'ongwanaka t'y ancrage à batata ou. Donc, je suis en train de voir la loi électorale, écoute, en arrière parlementaire, et puis voir la majorité de l'Union sacrée s'éclater. Très bien. Jenit. Merci, Ndeko Sango. Oui, la session s'ouvre aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ben, je les ai ébélés. Il faut aussi noter, entre autres, que c'est pendant cette session de mars qu'il faudra, oui ou non, obtenir le départ de Jean-Marc Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabound qui n'est pas ici. Qui n'est pas ici, qui est à Londres pour des raisons de santé. Nous espérons qu'il sera là très bientôt. Mais ça aussi, c'est une question, je ne la considère pas comme une question essentielle. Pour des gens qui sont partisans, il y a dissolution, il y a cette chambre-là. Dans la partisan et le corona. Dans le bar à cette chambre-là, il faut la dissoudre. Parce que c'est un parlement que moi, c'est une chambre que j'ai toujours considérée comme la plus faible. Et de ce point de vue-là, je crois que les députés, ils savent aussi, ils sont conscients qu'aujourd'hui, le président de la République n'a rien à perdre pour la dissolution de cette histoire-là. Je l'appelle cette histoire. Le président n'a rien à perdre.
Parce que, tenez, au stade où nous sommes, il faut noter que les autres institutions sont presque assises et même stables. Quand vous allez du côté de la Cour constitutionnelle, quand vous allez les cours et tribunaux, même si là-bas il y a un problème des magistrats et autres, mais ce n'est pas vraiment lié à la gestion du pouvoir. Donc de ce côté-là, le président Tshisekedi n'a pas vraiment une grande crainte. Par contre, les députés nationaux, si aujourd'hui ils se mettent dans une position de pouvoir, par exemple, aller à l'encontre de la vision du gouvernement, de ce que veut le gouvernement, ils vont créer un bras de fer avec le gouvernement et ce bras de fer va aboutir à ce que moi, j'attends tous les jours, la dissolution de cette assemblée. J'attends ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à ça. Parce que regardez, quels sont ces députés qui, pour voter des lois à l'intérêt de la population, pour l'intérêt de la République, ils doivent exiger d'avoir de l'argent, d'avoir, je ne sais pas moi, des avantages. C'est quelle sorte de député? C'est pourquoi moi j'estime qu'ils savent aussi que s'ils engagent un bras de fer aujourd'hui avec le gouvernement, ils en seraient perdants. Voilà pourquoi ils ne vont pas aller dans ce que Gauthier dit, on va déjà dans l'éclatement de l'Union sacrée. On ne va pas arriver à ça. Parce que si l'Union sacrée va en éclatement aujourd'hui, ça ne sera pas à leur avantage. Les réformes qu'il faut obtenir de la loi électorale, c'est partir aujourd'hui de Sey. Il faut tout le monde à Makambouya Sey. Tozongela Makambouya, élection par majorité, scrutin majoritaire simple. Parce qu'on a connu des cas où il y a Moutouba voté par la population massivement. Mais on a eu Sey. Oh, il faut parti politique naïe et obtenir ce qui 60%, ce qui n'engenini, moutoua naza député nationalité. Ça défavorise beaucoup d'élus. Il faut que l'on a un seuil dans la loi électorale, qu'on a un scrutin majoritaire simple. Ce qui moutou par rapport à limite, on va fixer qui par rapport à circonscription, par rapport à nombre d'enrôlés. Ce qui motouana a su ma voix ébélé, à l'équipe à sa député national. Par rapport à l'éloque, à ce yuana, au député, à sa lié n'a pas voix obtenue par son parti politique. Et bon, qui va candidat ébélé. Donc, il faut d'abord, balongola éloque ouana. Ndeko sango. Éloque, ezo salake, nambo kanabiso, moutouaza yemoko, député national. Yemoko, député provincial. Yemoko, sénateur. Et il faut balongola ngo quand même. Football Longolango, R à l'équipe député provincial, Atiki Mwasinae. À l'équipe député national, Atiki Mwana. Atiki Mwana. À l'équipe sénateur, Atiki Beaufrère. Yemoko Akena, gouvernement. Aboniboué. Donc, la République est comme il faut tenir la tête, il y a un individu. Et l'okoana, il faut pas Longolango, il faut Ekweya. Donc, Wande Makambu, peuple, Azoz et la Basala. Na session où il y a mars par rapport, il y a loi électorale où il faut permettre CENI à se mettre en ordre pour na organiser ba élection. Mais au royal au coup taqué, bah comme ma débat ailleurs, bah comme il y a débat purement politique, na ba question na ba ngo politique, alors que il faut na nous ba mettre vraiment CENI na point y a qu'organiser ba élection dans le temps, dans le délai. Et c'est ce qui permettra que mboka y connaître ba moment y qui y quitter. Mais au Komona, être au Kota, au Kota, maintenant politique, parce que l'objectif est aux années, n'est pas obtenir dialogue. Il y aura des tireurs de ficelles quelque part, bah, retine d'abord député, va partir d'abango, bon, mais ma miringa kuna, tozo yebe, le bango, tozo ta la bango. Mais aussi, bandeko loko la bandeko baati. Il faut qu'on fonde la mise sur ma casse côté wana. Et je vois que le président de la République, n'a bandeko, bah, dans le pouvoir, bah, qu'on n'imbate côté wana. Parce que nous voyons ce qui se trame. Babiloko yo salamawana, yao ba communicateur, tout ça. Babiloko yo salamawana. On voit comment l'homme vient. Et même ce qu'on t'a dit, même le makambu ya maladie, ya mukonza mboka ndenge uto lekao. On va parler de ça. Donc il faut quand même que quelque part, bato bazana pouvoir, basse lingua. Ne balo bangona lingala, basse lingua. Parce que les vrais enjeux aujourd'hui, ils aient à couper ça, c'est ni
arsenal juridique au Sengeli pour même ambition de ma pronomie qu'on profite na peuple congolais. Très bien, allez, et allez. Robanda Liboso na loko ya ya honorable Ados Ndombasi. Na zongeli sous ce terme na lobaki. Il faut pas tout se laisser na dictature ya buzz ya sensation. Je veux revenir sur M. Bosaki Lobina, M. Boudimbo, le ministre hydrocarbure. On releva qui information moko boye sur 10 millions moko zalaki pour la ville ya Mwanda. Mais ce qui le ministre a raté, toi zalaka, comment je peux dire, na répondante, opinion l'inga qui retenir que 10 millions bima makabolango. C'est-à-dire, nous avons parfois, toujours tchana, mais ça, des informations non filtrées. Potable thé. Oyo tamba tuba zuango comme culture dictature ya buzz ya sensation et zuy. Eh, talaba salibo, talaba salibo. On zuy au mieux filmé. Non. Député, azalaba standard moko boy. Quand tu veux dénoncer quelque chose, amène-nous des preuves. Même quand bien même que tu nous amèneras des preuves, il y a des choses, oyo, eza biloko. Quand bien même, eza biloko, oyo eza, to koko dénoncer, mais c'est des choses qui existent dans le parlement, dans le biso depuis. Et sa culture moko, et outi, et zo kende. Moi, j'avais espéré, on avait espéré que le leadership actuel est qu'on renversait ma pratique moussoussou. Notamment, il y a aussi ma députée, ma djip. Mais, lorsque la zone a malsain, bateau yo, ba créer un système oyo. Bateau yo, ba bénéficier d'un système oyo. Il y a ben, oyo, il y a ben invisible. Mais quand c'est pas bon, on est outre les invisibles. Oh, bah, on me repère, on t'a gagné à Zouaka. Bah, invisible, t'as un peu ça, bon, y'a Zouaka, t'es. Ah, les cas, on tourne à ma camboine invisible, ceux qui y'a Zouaka, on non. La classe politique doit faire un sursaut. Babilo, Kouana, y'a qu'on s'est sanctifié. Je me rappelle d'un politicien. Et les qui, m'boula, t'as un gazala qui n'a pas conzi. À l'obar, t'es mort, qu'à bako, bon, ça, on a 50. Que Sengeli Mokonzambo kaba renforcer pouvoir naye. Mais c'est la même personne. Oh le lo. Azamusikana pouvoir. Alobi non. On ne peut pas toucher la constitution. En 3 ans, ce pays pouvait et devait être arrangé. Alors qu'il oublie. Il a oublié que Yemoko. Pas une fois, plusieurs fois. Il a dit que 5 ans, c'est impossible que Bonsambo. C'est-à-dire qu'on a une interpellation pour na. Dictature et émotion, dictature et buzz. Deuxième point, le Cambodge, deuxième tour ou pas. Nayo ki marambo lobi. Mais bobo sanate, kalamingi ta bato c'est l'homme de bloc patriotique. Et ça lui combien de mois pour ne pas dire combien de jours. Bah ouais, la leadership. Merci. Mais justement, ce token, la formule, il y a 2 tours. T'es là. Problème à leadership, non, non, non. Parce que bah point go départager partout et go classer les meilleurs au-dessus. Non. Au moment ni et l'okozo sangisa bango nyoso. Et za kanza bazana ngo par rapport à mutazana kiti ya ebonga. Le lenge pezala ki tango kabila zala ki wana. Et sangisa ka bango wana. Mais basuka ka peka nenge basuka ka na Genève. L'homme congolais depuis 60 n'a pas changé. Basanganaka, non autour des idéaux, mais autour ya mutu baso combattre. Po batala ndenge ni tokolongo lai. Et quand vous vous attendez pour yokani bienté, bakenda jamais musika. De même, dans 60, maintenant, sur Basanganaka. Pas parce qu'on a les mêmes idéaux, mais parce qu'il faut tout le monde, il faut tout le monde, il faut tout le monde, il faut tout le monde. Tout le monde est toujours en santé. Car, na Genève, awa. Basanganaka. Bien que le contexte, nous avons différent. Le but est noté, il y a un deuxième tour. Tout le monde est en gambo, pour qu'il y ait un gambo, toujours ça l'hypothèse, tu sais que d'Abimi contre un autre candidat. Ce qu'au candidat, wana, selon l'hypothèse, ou à Rubima, bah Kabila, bah Kamere, bah Fayoulou, je sais pas qui, bah Royer Otiaye, poids. Dans un monde où les gens, où les politiciens, où non, où les politiciens, bah t'as la cabine intérêt à peuple, on peut penser que ça sera facile. Mais dans un monde, il y a politique, il y a Bissot. Oyo ba politicien, de tout bon, ba ta la kab intérêt personnel. Crois-moi, Sango, ce sera un rêve, une utopie. Donc, ba to ba oka nisake deuxième tour par rapport ya Don Wana, et ko bangi sa mokonza mboka, ba za la sir nango pinzate. Parce que ba politicien na biso to yebi bango. Très bien. Yebi bango. Alors, permettre na, oui, na zo kende. Donc, rapo na ngayi, deuxième tour, et ko zalate, pour ne loko wana, et ko zalate plus, pour na, déjà, tout ça na tam koussé.
Ça, c'est de un. De deux, tu es bien écosusté, mongo et belé. Troisième point, là, naza na bokeseni na bokaboli na ndeko nanga Jenit. Moi, je soutiens qu'il faut ce yétika là. Bien que na élection et l'équi et apporta qui penda résultat na yango escompté te, mais esengeli ba renforcer en sousou. Parce que prolifération ya ba parti politique auto kenango ti wapi. Tokenango ti wapi papa. Mbokani le bon 500 700 partis où tout le monde peut devenir député. Tiens, esengeli ba régler la dure. Moi pour moi je milite que ba renforcer ko sousou ça yona. Parce que résultat est escompté et ça là qui réduction il y a ma pôle, il y a ma groupe, il y a ma parti politique. Sur so, au même 2016, to 2018, 2011, au moment là que nombre de partis politiques au bateau babima qui est qui réduit. Moi je souhaiterais que la source réduit davantage, donc pas renforcer ce yuana source, parce que on ne peut pas donner la latitude à qui veut à postuler pour qu'on m'a député. Très bien, merci. On va revenir. Focus. Montre-moi combien. Papa, là c'est la machine à voter. La machine à voter. Moi, nous l'on a le bas dictature instantanée à buzz. Aujourd'hui, personne a couru le calé là le bas que machine à voter ça m'a bé. Na bateau bas le bas qui t'auront voté na yangoté. On est tous d'accord que machine à voter est celle qui a pour moko, je dirais extraordinaire, qui a beaucoup simplifié les choses. Donc, je vois pas aujourd'hui. Yango épée sa même victoire volée à Fayoul. Machine à voter. Bon, on est débat, monsieur. Parce que même Yamoro Fayoulou, n'a limité que, au jour d'aujourd'hui, on a mon collègue à rose à la contre-machine. Il n'y a pas de discours. Même Fayoulou n'en parle pas pour le moment, à moins qu'à changer. Faut qu'à ce qu'on qu'elle mène. Restons dans la logique. Nazo dessiné deuxième tour, partant, il y a poids politique. Il y a pas leader ou l'opposition. Joseph Kabila ne sera pas candidat. Ça, il faut le mettre de côté. Mais Kabila aura un mot à dire en tant qu'autorité morale, il y a famille politique. Même. De l'autre côté, Bemba, jusqu'à présent, Azan Union Sacrée, on ne sait pas s'il va se prononcer davantage. Il y a Félix Tshisekedi ou bien à côté qu'à Félix Tshisekedi. Kamere, problème, il y a justice, il ne sera pas candidat pour le moment. Ça, il faut oublier. Mais un leader politique qui pèse, Azan est le roi Rouloba. On risque de rester avec deux candidatures. Oyebani, Nabato, à moins que cette qui couille en zone à l'issus. Mais parlons de Fayoulou, parlons de Katumbi. Ce qui, loi à Tchani, ils ont examiné les qui. Katumbi tombe. Moutaroti, la gare Mogo, ils ont Fayoulou. Fayoulou a le couloir de s'affronter avec Félix Tshisekedi en 2023. Et, la deuxième tour, pour que Fayoulou soit battu, Félix pas battu, mais nous avons deuxième tour. Donc, terrain aux Alapenza. Qui peut gagner, diriger tout le monde à Walina Foreman, Bobetana, un résultat. Mais si tel n'est pas le cas, ça sera une guerre de leadership entre Fayoulou et Katumbi. Qui de ces deux sera en mesure, il y a Roti et la Mouninga pour Zalakane. Seuls deux tours n'est pas départagé, Bango. La première tour, Bango, le Sobazui. Mais la deuxième tour, c'est lui qui aura plus de voix. Bango, Zala obligé de soutenir. Qu'est-ce que tu penses de rentrer quand parlementaire? Il y a Liboso, Ndeko Sango, Moni Makamboyo. Ce qui n'a ko kanisango, le lingue sale me la ranambo kanabiso, par rapport, y a ba notion, ba théorie, ba thèse, oyo, ba savant, ba développa, pour na makambo, y a gestion respublica, notamment na question électorale, na mou na kango ke, nous n'allons pas nous en sortir. Toko bimate. Pourquoi? Parce que, au bon science, ezali le romo déjà prouvé. Ba testa yango, ba examina. Et pe sa ba résultat, Oyo ezali confirmer que ceux qui bolandi le lengue balobi bokozwa résultat tel. Par exemple, le problème il y a question à deux tours. Sango, on ne fait pas les deux tours par la beauté de les faire. Ezali na soubassement de ko Patrick. Pourquoi ba adopta yango? Il est vrai question d'argent. Ezali démise. Mais qu'est-ce qu'on recherche en cherchant à dépenser d'argent? On recherche la résolution d'un problème majeur. C'est quel est ce problème? Le problème de la légitimité de l'autorité qui va gouverner. Et, dans le contexte, Nabiso, c'est ça notre grand problème, ce qui aujourd'hui va crise nous sotozoa, c'est lié à la légitimité de nos autorités.
Nous sommes un pays à vocation d'une diversité de tribus. Mais les élections nous te posent un comportement que il faut obéir à la mokonzi. Moko oya kokamba biso ba tribunyonzo. D'où il est question pour nous. Nous ne sommes pas des Français ou bien des Belges qui n'ont qu'une seule langue ou deux, trois langues. Mais biso il faut to sangana bikolo nyonso wana soki 141 poto ndima mokonzi moko. Alors ceux qui bakeyi ebele babimi na premier tour. Moussousou a coquille comme le président de la République avec 16%. Mais il est le premier dans l'ordre d'arrivée. Mais 16%, c'est quelle légitimité? Un président qui est élu avec une minorité à population. C'est un président impopulaire et illégitime au fond. Mais il est premier dans l'ordre d'arrivée. C'est ça comme nous... si vous gérez par défi. Mais oui, c'est un grand problème. C'est pourquoi tu verras un président qui n'est pas élu au second tour a toujours des problèmes de l'impérium. Parce qu'il y a des coins qui les refusent, mordiquistes, il ne les reconnaît pas. Parce que la configuration en Mboka Labisso, vous allez retrouver que peut-être il y a 16% oyo a votamment qui a des provinces. Mais le reste de la province, il ne s'identifie pas à lui. Il n'est pas détenteur de leur pouvoir. Mais comment il sera leur autorité? Comment ils vont les porter? Comment ils vont les supporter? Oh, même légitimité, oyoyo kaka, il y a pouvoir étatique, ils allaient coller dans la légitimité, oyo ya fiscalité. Pour qu'un citoyen contribue pour l'avancement de l'État, est-ce qu'il y a bien qu'il s'identifie à nous, dans mon konziambo kawana? Pour qu'à ça l'ango malam. Donc, il est vrai, l'aspect de l'argent intervient. Mais qui est un aspect qui n'a pas de poids par rapport à un problème que tu résoudre. Parce que si ce problème-là, une fois résolu, ça va amener beaucoup plus d'argent que ce que vous aviez avant. Parce que les présidents qui sont illégitimes, qui n'ont pas bénéficié vraiment de la légitimité du souverain, ils sont fragiles. Au sorti des élections, il va commencer, au lieu de commencer à prendre l'impérium et gouverner l'État, a bandi ko lukana ko consolider moi illégitimité na yewana a ko luka tambola na ambassade ko tambola na bamboka nyoso ko aza ko tambola et puis a komi ko créer ba alliance moko de contre nature par voie fragile qui ne va pas lui permettre parce que contexte il y a les lots ça prouve à suffisance que union sacrée c'est du rien, c'est une alliance très 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 fragile ndegende konanga auti ko loba awa parce que soka lobi par exemple que la crainte aujourd'hui est alité que ma députée va bafouer ma mot d'ordre. Mais aujourd'hui, le président de la République n'a pas intérêt à dissoudre le Parlement. Pour gagner quoi? Parce que nous sommes avec les élections. On lui dit qu'à dissoudre, oui, mais il faut organiser une année après. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Impossible, il ne peut pas oser. Oh, aujourd'hui, l'union sacrée est l'œuvre de la menace de la dissolution du Parlement. Ce qu'il est l'autre joie, union sacrée, ce n'est pas par les faits, il y a motif, il y a discours, oh, le moment qui que ce sont des patriotes qui se réunissent pour l'intérêt de l'État. Il y a Congo, non. C'est parce qu'ils ont été menacés pour dire que ce qui, que par objectif, il y a chef de l'État, ils ont atteint, il va dissoudre le Parlement. C'est pourquoi, à peine entré dans le mandat, tu perdrais. Non. Essaye un peu de faire avec les chefs pour que toi, quand tu es là, tu perds le mandat à bisoter. Parce que le mandat, c'est par la corruption, ils dépensent beaucoup d'argent. Et ils doivent récupérer. Pourquoi aujourd'hui, nous déplorons le comportement d'Ozako Sepelaté, Ndombasi a dénoncé. Mais ces députés ici, ce sont des coopérants. Ils ont vendu leur maison. Ils se sont endettés pour devenir députés. Mais il faut pas créer un soin à nous, c'est ça. Et qu'on soit dans le lengenin. Mabunda, une femme sage, on l'a posé la question à la radio. Tu gagnes combien comme madame, y a présidente, y a assemblée nationale? Elle n'a pas répondu. Président de la République, on lui pose la question sur le salaire. Il n'a pas répondu, il connaît pas. Président à Sénat, Tambwe Mamba à l'époque, on lui a posé la question. Tu gagnes combien? Il ne connaît pas. Tu vois un peu une société pareille. C'est parce qu'en fait,
il y a un rapport qui existe entre les souverains et les autorités, qui est en adéquation. Les souverains, donc c'est-à-dire que le peuple congolais, dans une majorité, parce qu'il faut faire une différence entre une majorité institutionnelle et une majorité souveraine. Tokomaka mingi mingi na situation moko boyeke, boko identifier une majorité de souverains, être dans l'opposition. Oh, par nature, l'opposition doit être une minorité. Mais biso tokomaka na ba configuration moko, que une majorité ya ba souverain, bazali ba opposant, il y a un détenteur du pouvoir qui est l'autorité. Mais la contexte wana, l'État ne peut pas marcher. Très bien, on va revenir. Donc, il y a des problèmes de fond. Par exemple, problème Yasei, de Konangaï, ce n'est pas aussi par la beauté. Ce n'est pas une décision qui doit venir parce que tu es en train de parler de la dictature de l'émotion. C'est Ezali principe moko, Ezali koya ko biaisé des marches. Il y a système obiso to adopta le proportionnel. Oyo, il y a référentiel, la liste est ouverte. C'est ça notre option que nous avions choisi. Mais oyo ko zo sei, obambi en gros na système proportionnel et préférentiel. Donc ça dit que aujourd'hui acide au tiango na maya komela. C'est ça au fait le sei plus le proportionnel. Pourquoi? Dans le proportionnel, on vous dit la liste préférentielle, c'est-à-dire qu'aucune circonscription moroboué. Balobina ngalema candidat préférentiel, il y a Batou Angaliema, Balobi Kezali, Patrick Eyali. Ils l'ont voté. Il est leur représentant, leur délégué. Souverainement, tu as la légitimité. Mais à cause et à ce. Mais à ce Yokoui. Mais tant Yokoui, qui sera maintenant le représentant de cet homme-là? Souverain Wana Nyonso. Représentant Baonani. Parce que Yokoui. Très bien. C'est une des moutekouessions. Mais souverain a perçu au pouvoir. S'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a des problèmes de fond. S'il vous plaît. Sango, moi, que tenyo na linga, mingi ne, ango, pesinga, ndeko, sango, pesanga na balusa, biloko. Na betana mbodi, awa ndeko. Allez-y, bimi sa plan. Oyebi. Koboma la kati te bimi. Nakoboma te, tala. Ndeko. Oyebi, franchement, nous avons des problèmes très sérieux. Omoni li kambonet y a parlement, balwa ke, la corruption corrompt tout. Ça, c'est, et ça, évidence, non? Mais tala et si katozoro kende. Par exemple, option y a contrôle parlementaire. Oyebi ke ba député nabiso, ba commissaire yango complot parlementaire. À la place du contrôle, nous évoluons dans un format du complot parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, un député qui dénonce, qui peut aussi avoir des preuves, mais il peut être bloqué par une majorité. Oh, Moussa là, contrôle parlementaire, dès qu'un député dénonce et qu'il a les preuves, il doit être soutenu. Et par les souverains, c'est-à-dire le peuple, et par les députés qui sont leurs représentants. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Ce qui Moutou a dénoncé, bah, preuve Ezali. Mais la majorité peut bloquer, tel que Kayaram. Vous aviez vu, les souverains a dénoncé. Il dit niet. Les députés ont parlé. Mais ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Mais on a quand même levé la mesure. Mais, dans le principe, il y a des dévalibilités, Sango. Namboka ni niango, oyo motomoko, oyo amonanate, ayebanate, azwa mosolo, bakati système ya kozwa mosolo wana, mais batunate, nani abanaye kozwa, mbongo ekenda wapi. Et comment pe motango nini? Très bien. Tu vois les difficultés que nous avons. Nous avons des problèmes plus sérieux. Très bien, voilà. Très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chacun va rebondir. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir ici, Délice Sanga, osa parmi les rares, il y a des députés, na banda kuna bango bazanga na bibliothèque. Oui, belé à députés, na banda kuna bango bazanga na bibliothèque. Place à Romela, moi, masanga, batchara ba whisky. Mais osa parmi les rares, les députés, au bazanga na beaucoup pe ba komaka. Mais Délice Sanga, Lutundu là aujourd'hui, ministre, affaires étrangères. Vous étiez au Parlement alors que Kabila était président de la République. Quelle était l'intention? Délice Sanga, donnez-nous la réponse. Parce que vous allez ensemble. Quelle était l'intention? Nanzungo ya constitution, Délice Sanga Zali. Lutundu la Zali. Ma ponominion sobo ponagi pobo bongo la likabolo, on a détourné son à la tour. Les lots.
Est-ce que Zali mea culpa? Vous reconnaissez avoir mal agi? Y a besoin de se rattraper le plus vite? Ou bien, contexte actuel, ou bien il y a des sentiments politiques, on se dit, bon, na tour moko fatia ko gagner, biso to kene na detou, poto kalinge malam, poto ouvande la ye, biso ne sont ensemble. Quel est l'esprit derrière tout ça? Les amis vont répondre. Likambwa seuil, bino pe landa kouboko répondre. Est-ce que référendum aujourd'hui, photo zon na detou ou bien to zan la tour moko, élection à l'élo? Quel est l'avantage ya tour moko? Quel est l'avantage? Il y a deux tours. Likambwa seuil, batoupe ba kabouani. Donc likambwa seuil, Moto Moussou, soit la commune en comme il a dit, faible na communication, représentation na yebanité, mais on a un seuil pour la partie na baroba bendie, yenda bimo lobeli na bido. Alors que Moto a yebani, a poli parce que atteindre seuil ou ante à niveau parti na baron. Tolongo la seuil, totika seuil, c'est à vous de voir. Réfléchissez et envoyez vos SMS à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Deux minutes, on va quitter ce chapitre. Te récupérer, moi, malade à chef de l'État, mouké, par rapport à ma spéculation, puis on va terminer. Oui, yo bandagi boso. Tiens, yo bandagi boso. Il n'y a pas bandagi boso. Il y a banda. À rappeler, merci. Principe, merci. Non, je suis d'accord avec Ndeko Focas en partie. Parce que Marambasseuil, ça risque de nous prendre vraiment le temps ici. Nazo comprendre la dynamique yende ko Patrick te par rapport il y a objection na yena seuil nde ko sango eza vraiment moi je ne peux en même nan doto nanga na roki jamais ko ndimage lo kwane tikala parce que obi bato pour pas défendre peuple faut pas dans la bato peuple a poni réellement mais ceux qui ko makambu ya parti parce que bangonde batali elongo na bakonzi ya seni et loi est favorisée par moi que bah tiens bah tout mon coboyé au bazar réellement reconnu na base de torosunga bah konzambo kate bah kambambo kabien et lokwana il faut kweya. Comment voulez-vous que mutuloko la Patrick yale abundani bundani ti si jamais il est candidat na élection je sais pas moi na lokunga ou na funa un jour abundani bundani ti un jour bah voter payé mais parce que balinga ki ba bondisa prolifération ba parti politique ndeko Patrick ya la kweya ata yo moko ndeko Patrick ata yo moko vraiment yo ko ndimelo ko wana mutu moko te ndeko sangwa ko ndima li so eloko a se yuana oyo ba bimisa ki ango na se ya eloko ba parti na bango mosaïque ba créer ki ba bibom comme ya zo ba wana ko lutter contre prolifération ya ba parti mais qu'est-ce qu'on a pas vu ici PPRD PPPPRDD, PDRPP, PPRDP. Donc, à partir de mon bongo, ma commission, ma balousi, nous ne voulons plus de ces histoires-là. Mais quand de Kofokas, il y a deux tours, na yo ki asali mwa mélange, mon kwa ne pesinga mwa constipation. Azako kende bien, mais er mwa ya pesinga mwa constipation, quand il évoque la notion, il y a légitimité. Jusqu'à dire, que moto va voter na tour moko azana légitimité té non de Kofokas. Je n'ai pas dit ça. Oh mais si. Olobi azana légitimité. Azana légitimité. Il va voter 16% ou 10%. Il n'est pas légitime. Bien sûr. Il n'est pas légitime. Non. Allez-y. Il est légitime. Mais seulement vous allez inviter na débat la notion il y a échelle, il y a légitimité. Là je peux vous comprendre. Si nous allons na carte il y a échelle, il y a légitimité. Je peux comprendre votre raisonnement. Mais à dire que Moto va élire na 16% dans un contexte où il y a scrutin à tour unique, aza illégitime, ça je dis non. Il est légitime, il est légal. Mais seulement à échelle la légitimité, il est faible par rapport à Moto yo qui serait voté na élection à deux tours. Là, je vous comprendrai. Donc, nous pouvons estimer aujourd'hui. Là, je crois que vous me rejoignez quand vous prendrez la parole. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que qu'au garder élection à un seul tour, les attributaires n'ont pas moyen de Patrick Aloba Kiango. Mais l'idéal aujourd'hui serait que nous puissions aller à deux tours pour permettre à la légitimité qu'augmenter la chance il y a appropriation, il y a moto, il y a voté, et pas il y a batu ebele. Mais tout ça dépend des moyens et du temps. Parce que
L'idéal aussi serait aujourd'hui, parce que si nous voulons aller dans Makambouya, idéal, ndengo, ndeko focus, azolo bayango. L'idéal serait aussi, avant tout qu'il y ait une élection, tout ça, le recensement de la population. C'est ça aussi l'idéal. Parce que si nous devons scruter, bah, différentes crises auto-connaître les loyaux, et ça, problème, il y a manque, il y a maîtrise, il y a qui vote, combien ont voté. C'est essentiellement aussi ça. Parce qu'on a vu dans un passé récent, dans des provinces où on nous a dit qu'il y a eu 100% de votes. Mais vous ne savez pas combien de personnes avaient voté. Bâtir les 100% de votes. Tout le monde a dit que Kabila a voté 100% na Katanga. C'est dans un passé très récent. Mais aujourd'hui, l'idéal voudrait que nous puissions savoir avec maîtrise qui vote. Dans un contexte où l'Est du Congo, ou même certaines frontières de la RDC sont poreuses, ou bande konabiso, bangolais, ils peuvent entrer si facilement. Bande konabiso, il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a Burundi, ils peuvent entrer si facilement pendant la période d'élection. Ou pendant la période avant élection. Comment est-ce que nous avons la maîtrise, Yakoyeba, qui vote, qui ne vote pas, combien vote, combien n'ont pas voté. Donc, si nous voulons aller vraiment dans l'idéal de Focas, il n'y a pas seulement l'Ikambouya, combien nous voulons mettre. Il y a aussi le recensement. On y va, on y va, et allez, on va terminer. On va terminer, on y va. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dunit. Le recensement, le cadre idéal, il a vraiment, il a vraiment, il a vraiment, il a vraiment, il a parce que, si le lot, il a compris qu'un phénomène ou un athée, comment, dans la partie, il y a Mbo Kanabiso, qui a connu des affres de guerre, qui va, ça va faire 25 ans, où on parle des déplacés. Mais, à chaque fois, kakakounande, tobande kozana, ben, inscrit et belé, na fichier électoral. Donc, et là, comment, koboué, et koko tike bisoté. Tant que yo karake, na kwa moko boué, yamboka. Ba, onde kouna ba bota kebele. Mais, ceux qui bossa l'inini, kakabato, si kamoko, non, moi je suis d'accord et je suis pour un recensement. Mais devant réalité, il y a délai constitutionnel. Zomona, Tokiki Goloba, Tochango Pemben. Mais dans l'idéal, le recensement est très important. Poto Yeba, finalement. Tozalaka boni, na est tozalaka boni, na centre tozalaka boni, na sud tozalaka boni. Ba lobe li kamoko bien mutualisation, na évite ce que ce qui ndenge nini. Mais pour moi, recensement est très important. Na kina li kambu, il y a deux tours. Na zu kaka, lobe li yo, lobe yabe hypothèse. Kende ti na deuxième tour, fort possible, fort probable, tomo na ngambo yo tiseke di, tomo na soit Fayulu, soit Katumbi. Selon que éligibilité à Moko nandenge mususu akubima na deuxième tour. La seule différence cette fois-ci Fayulu a osala concours ya Bakatumbi te ndenge accompagné na 2018 problème ya misolo Fayulu n'avait pas financé les élections batuba finança qui Moïse Katumbi se réclame comme quelqu'un qui avait donné part ya gâteau na campagne électorale. Cette fois-ci il y a aussi un problème de moyens qui se pose na côté à Fayulu. Mais toi, il brisait ma hypothèse voilà. Au cas où Fayulu a tiré la gagne à Félix. Voilà. Toke n'a pas donné wana. Si quoi, na ma projection à battre, les gens voient Kabila, que même Katumbi Yemoko, Bemba, Kamere, soutenir Fayulu. Aux hommes, on a ma lubie. Parce que, bah, tu vas au Kanisake, Kobanga, il y a pouvoir actuel, et ça, hypothèse wana. Et on a baigné en français, lubie. Na ebi suyo kangamouana, eza lubi. Batouba kanisate que pouvoir actuel, ezo banga, hypothèse wana, de voir bato na tangi, basangana, contre Félix. Pourquoi? Na momo wana, eko maka, obalubaka, badil. C'est-à-dire, bato o tangi wana, personne ne va se réveiller pour dire non, soutenir Fayulu, pour na monye, Aza Mwindu, Aza Kitoko, Aza Mayele. Non, ce ne sont pas ces critères-là qui vont concourir. Ce ne sont pas ces critères-là qui vont se mettre sur la table. Le politicien congolais, Aza sans état d'âme, il va mettre de côté Bakamounioso, à côté là, qui va garantir ses intérêts? Qui va me donner le meilleur deal? C'est ainsi que Tomona, na 2006,
Monsieur Zanga trahir son beau-frère, Monsieur Bemba, pour aller soutenir Monsieur Kabila. Parce que Monsieur Kabila proposa qu'il y ait deal meilleur que Monsieur Bemba ne pouvait le proposer. Donc, bato bazo ko sala ba projection. Comme quoi, bato na tangi ba ko sangana. Contre Félix, et ça lubi. Parce que tout est aux à la question, il y a ce que l'un et l'autre est en mesure de proposer. Tout est aux à la, na capacité à royeba, qui entre les deux, ce qui abîme, ou bien qui entre les deux a les cartes dans la A. Très bien. A, dans la, ma boko. Allez. Là, si c'est la on va terminer, là, s'il vous plaît. Plaît. S'il vous plaît. Les combats sont importants. Oh là là. Les combats sont importants à. À l'obili kamba, il y a seuil. Tant que tu as ça là qui est proportionnel, na 2006. Moi, mon qui en 30 secondes. Na 2006, tu as ça qui est deux tours. Mais il me semble, à mon avis, que Kabila n'était pas toujours légitime, même dans l'élection deuxième tour. Il y a eu des contestations. Il y a eu des contestations. C'est pour dire que deuxième tour ne règle pas de manière ipso facto. Exact. Et ni il y en a légitimité. On a eu un deuxième tour ici en 2006. Na zone, est-ce qu'on a le kamba seuil? Seuil est un qui est corrigé. Faiblesse moko. Que tu constates qui floraison ma parti politique conséquence n'a yango zanine difficulté y a qu'on constituer majorité dans quatre assemblées parce que le but c'est ça, le but c'est avoir une majorité, quelle majorité et bimisaka gouvernement. Mais ce qui bozui batundeti ba biso boy au multiplier biso bato to zaim suso to ke postuler la parti politique te to ke ndeti ba indépendant to bimindeti attendeti 150 dessins indépendants. Tout ça n'a qu'à sa structure mon côté. Mais vous organisez la majorité comment? Avec cette multiplicité de candidatures uniques, indépendantes. Vous faites ça comment? Donc, le seuil, c'est ça l'idéalité, pour nous rejoindre, c'est ça utilisé, mais c'est la solution qui a été trouvée pour régler faiblesse ou anaya proportionnelle. La moins mal. La moins mal. Très bien. Allez, focus. Silissan de quoi bêta pas. Déjà par nature. Apparemment, le sujet a senti un peu de retirer. Omoni, Makambo, Tozolo, Makambo, Tozolo, c'est très important. Mais absolument. Tu vois, tu as utilisé un mot. Comment peut-on gérer avec une panoplie des indépendants? Or, déjà, exercice, il y a métier à député. Et ça est lié par l'indépendance de son esprit. Vous créez la majorité comment? Mais, en fait, la majorité, tu as une constitution, Abisso. C'est le fruit de l'alliance. Ce n'est pas de la production électorale. Donc, alliance, il y a 150 indépendants, par exemple. Mais je t'ai dit que quoi qu'il en soit, il est noté que, na Congo, aucun parti politique peut donner une majorité après les élections. Ça, c'est connu. Alors, ça, c'est connu. Donc, aux Omonake, les Kambou. Même si on a 200 indépendants. Non, mais oui. Question des alliances. Des alliances, point barre. Alliance, c'est indépendant. Ah, mais oui. Mais parce qu'en fait, je ne sais pas ce que vous vous mettez dans la tête. Quand vous parlez de l'indépendance, or, quand on est député, on est supposé être une personne qui vient pour résoudre les problèmes de la cité. Alors, dès qu'on a en face de vous un programme, c'est ce qui va former la majorité. On forme la majorité autour d'un programme, pas autour d'un individu. Au moins, il débat, ok, ma bépoani. Parce que, quand on parle du président, tu vois Félix, il est même. Moi, je vois autre chose. Ainsi de suite. Tout le monde en a Bakombo. Mais quand on vous dit qu'un président, un bon président, c'est celui qui vient gagner les élections en deuxième tour. Il a la totalité, pas si pas la totalité, il a la majorité de la légitimité du souverain. Parce qu'il doit dépasser 50%. Il y a légitimité nationale. Pas forcément de l'opposition. Mais en deuxième tour, sans cette majorité-là, tu n'es pas président. Tu comprends? En fait, il faut les 50%. Mais il t'a donné un cas. Écoutez, toi, j'ai un cas à 2006. Non, non, ton mandat 2006. Mandat à Kabila 2006. Toi, comparant qu'on a mandat à Kabila 2011. Il était plus légitime. Pourquoi je vais démontrer? T'as la stabilité au Yazoa qui perd gouvernant Kinango en 2006 par rapport à la crise au Yazoa en 2011. Tu sais pourquoi? Non, non. Tu sais pourquoi? Toi, j'ai cartographie. Quand vous prenez Kizenga qui s'est allié avec les PPRD, MP à la porte, Bandundu était favorable à Kabila. Zambou Koutou.
Zanga Mubundu. Mais vous, Zanga Mubundu a ramené de l'eau au moulin. A dû partager quand même. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait, la légitimité. Il y a cette notion qui cadre. Parce que la légitimité, c'est une onction. Dès que vous ne l'avez pas, donc vous êtes déjà en rupture avec les souverains. Mais comment vous, vous voulez avoir un pouvoir au-dessus de la mêlée, mais portion et pouvoir, na yo, onction en haut, ils ont représenté 16%. Vous ne sentez pas que espace et l'équipe n'est pas vide. Tu n'es pas assis. Parce qu'il faut pouvoir na yo, et vendre dessus des piliers. Et piliers, on a, il faut être à la sociologique d'abord. Tu dois être accepté par une majorité de ceux que tu vas gouverner. Très bien. Alors, ça, on a qu'il y en a rapidement. Terminé, papa. Finalement, on n'a pas le temps de parler de notre sujet. On sera obligé d'arrêter pour aujourd'hui. Par exemple, Denis Sessanga, Azali parmi ma député ou Azali, na bibliothèque. Mais moi, je suis en train de m'étonner. Sango, est-ce que Oyebi député Moko, national ou bien provincial, ou Azali na bureau ya relais, na kati ya nation Congo, bureau ou ya consultation d'un représentant avec les souverains. Oyebi ango. Aucun député. Or, un député, dès que tu es élu, déjà aux yeux du mandat national, il faut travailler en collaboration avec les souverains. Par exemple, période de Babengi, il y a vacances parlementaires. Babenga ango période où il y a restitution, redevabilité. Ok, il n'est pas souverain. Pour Oyebi, ça y est, makambo nenge les gars qui pendant 3 mois, makambo bosali, si ko otuni bango, tango naza kozonga, tozo kende ko salanini. Mais il faut avoir des sièges pour un député, il faut azala nango. Moi, une fois élu député, ce qui n'a pas député à Mwamba, dans Mwamba, je dois obligatoirement avoir un bureau relais. Parce que c'est là où je vais prendre les désidératas, les inputs. N'attendons pas qu'on ait une vacance, mais il y a un output. Qui a parlé avec sa base pour que Aïe Bissaye, que pour la loi électorale, les camboyais, bisotondimi, totoboy. Les camboyais machines, bisotoboy, totondimi. Les camboyais, boyeboy. Ça, les amours hernies. Donc, ils rentrent, mais réduits. Ils n'ont pas de input. Le col à Bakenda qui peut être output, bah, on a peine à input. Donc, on est en train de patauger. Donc, gestion de la République, ils allaient assis sur les néants. Parce qu'on ne respecte pas les principes. Les lobes ont des difficultés. Il y a siège. Il y a seille. Et ça lui démontrer que, même si aujourd'hui, alibi, il y a au Dobake, pour n'a qu'au diminuer le nombre de partis politiques, n'a pas qu'au démontrer sur le plan factuel, que n'a 2006, tu as qu'il y a 300 et quelques partis, les lobes, tu as plus de 800. Donc, et résoudre le problème, t'es. Très bien. Allez, on va. D'ailleurs, tout est augmenté en gros, pour la nini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je t'ai dit, c'est augmenté en gros parce que. S'il vous plaît. Combien de partis, s'il vous plaît. Pardon, qu'elle ne rencontre la quatrième regroupement. Il faut me mener des. Justement, c'est l'idée. Mais le nombre est parti. Poursuivre. Voilà. Or, et pourtant, aujourd'hui, vous savez que. Focas, je vous arrache la parole. Aïe, 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 ça. Déjà, c'est difficile de parler, Nassima Batoebele, mais ici, quand même, je vais avancer. Non, 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 Mamboisei. Il y a une confusion, Mamboisei, sur cette. C'est même ton prénom. Voilà. C'est. Neko Focas, Neko Genit, proportion et quoi il a été. Ces partis-là, ils se reconnaissent dans le cadre de regroupement. Les listes sont maintenues suivant proportion et n'est-ce pas les. Si tu es d'un parti politique, il y a Mouké, aux Ankatsakouma, Songolo Pakala, et que tu es le mieux élu par rapport à l'Iste Nayo, c'est toi d'abord, c'est Yoanezo profiter nan, Baninga no va profiter nan Nayo. Maintenant, les partis qui ont connu des problèmes, ce sont des partis, où Yobaké, ou adhérer dans ma recoumate, soit dans ma plateforme, t'es. L'objectif principal, c'est Ezaginin. Quand nous avions eu les machines à voter, Ezagin pour en profiter Babourage. Il faudra pas qu'on vienne avec tous ces grands, ces partis pléthoriques qu'on a, plus de 700, où Yomoutnam, tout basal, il a fiche Naya, parti Naya. Oh, bah, parti, nous sommes représentés 300 candidats. Mais, yo, moko, zara, na siège, ka, moko, la Kinshasa. Na bande, nous, a, t'es, représenté, bah, candidat partout. Et, la CENI, a, na, rôle, à représenter, fiche, à chaque liste, oh, yo, bino, représenté. Et, pour, na, éviter, bourrage, et, c'est, n'a, tu, y'en a, c'est. C'est, y'en a, et, résout, de deux problèmes. Le premier problème, c'est d'éviter, bah, bourrage, et, bah, machine. Et, le deuxième problème, c'est de voir nos politiques se réunir, na, bah, plateforme, moko, bah, méga, plateforme, pour parler un même langage. Mais, l'ordre proportionnel, n'est-ce pas? Équalité. Sango, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est important, c'est quoi avancer bien? N'a pas c'est le moment où avancer bien. Tolobi boy, c'est ekoboma proportionnalité. Ebomi préférentiel. Il a dit ça, non? Non, non, ebomi préférentiel. Tolobi boy, ebemi, ebebisi,
système donc, proportionnel dans l'aspect il y a liste ouverte préférentielle. Donc entre-temps, yotango zo lobela likambo ya sei. Ozako lobake sei ezako bundisa bourrage. Bourrage ba bundisa ngona vigilance électorale na sécurité électorale. Très bien. Bundisa ngona sei. Merci beaucoup. Merci. Bourrage électoral. Merci beaucoup. Non, c'est vous, focus. C'est moi qui on arrête. Eco focus. On est ici, on est des responsables, il y a ma structure, tout ça, ma machine, nanani. Quand tu imprimes beaucoup de documents, bourrage et yaka. Non, quand la machine chauffe, dire, c'est vous plaît. Je parle des machines, je parle des machines. Bourrage et ça fraude. On n'est pas sur, on n'est pas, est-ce qu'on est sur le même plateau? J'ai dit ceci. Voilà. Tant qu'on va compter ici machine à voter. Ou est-ce qu'on imprimait bulletin à vote? Il fallait résoudre ces problèmes de bourrage des machines. Il y a des coins où les machines n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ma machine est ça, il bourrage. Il n'y a pas de technicien approprié pour la rebondissa kayango. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Au-delà qu'on résoudre des problèmes, plateforme, il a fallu aussi, n'est-ce pas, tenir compte de ma machine à voter pour éviter qu'une même liste, il y a plateforme Moko, et ça qu'on reprenne autant de députés au lieu d'avoir des listes de chaque parti politique qu'on a autant que les partis présentent autant de listes. Et maintenant, le deuxième problème, au lobby, ah ouais, ma proportion, c'est là, moi j'étais eu quand je suis dit ça. Dans le lobby, c'est le problème, il y a proportion, ah ouais, c'est Ibumi en voté. La préférentielle. Bon, peut-être qu'il y a l'intérêt. Laissez l'évoluer, on va terminer. Donc, c'est ici, et on résout ma rambouille. S'il faut quitter les CNN, il faut quitter la machine à voter. S'il faut quitter, et d'ailleurs, qui vous a dit, il y a des circonscriptions indépendantes. Oh, ben, indépendant, bah, et sans passer par les CNN. Si tu te sens capable, quelle circonscription on a? Et si tu penses que tu dois passer par un parti politique, comment voulez-vous que l'IDPS, les PALU, les PPRD, bah, partout, et MIPC peine, et s'implanter sur toute l'étendue de la République, bah, ça la considère de la même manière avec un petit parti, oh, bah, font en l'or, bah, médias, ni les lots, nassima, n'dak, non, n'abandal. Comment vous voulez ça? Donc, c'est un peu ça. Donc, des deux. Narul Valkamba, il y a recensement. Non, le recensement n'est pas lié aux élections. Ça, il faut qu'on arrête ça. Chaque fois qu'il va te battre au bout de ma banne, tu vas identifier la commune. Les recensements, ils appuient, ils ont une opération administrative. Quant au sac à enrôlement, le recensement n'est pas lié aux élections parce que tout Congolais recensé n'est pas éligible aux élections. Non, il n'est pas éligible. Nous avons l'enrôlement. Tout qui est enrôlement, on va enrôler des gens qui sont éligibles. Mais ceux qui sont éligibles. Qui écoutez, comment tu les connais? Na écoutez, conteste Nabiso Lelo. Dis aux Congolais, laissez-les évoluer. Allez-y. Tu vas enrôler même les Rwandais, les Gabonais. Ne pense pas qu'après les recensements, on n'ira plus aux enrôlements. Ne pense pas ça. Oh, l'enrôlement, c'est une opération de la CENI. C'est une opération électorale. Okay. Il n'est pas conditionné au recensement. Maintenant, ici, ce qui se passe, s'il faudrait recenser, je suis d'accord avec lui. Ça fait autant d'années que ça s'est fait. On ne sait pas qui fait quoi. C'est là où moi, maintenant, j'interpelle les partis politiques. L'opération, il y a l'élection, le contrôle ne doit pas commencer seulement les jours de vote. C'est même pendant les enrôlements. Il faut que dans les quartiers, bah, tiens, bah, bureau de vote, que les partis, bah, sensibiliser, bah, militants. Bah, talara, qui va réellement s'enrôler? Est-ce qu'il est Congolais? Est-ce qu'il est policier? Parce donc, que c'est le Congolais qui va dire que celui-ci n'est pas Congolais. Monsieur, mais aussi. Sans recensement. Que, faute de mieux. À Gauthier. Faute de mieux, qu'est-ce que vous faute de mieux. Faute de mieux, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'idéal, c'est ce que nous on dit. Pourquoi vous ne commencez pas ça veille, ceux qui besoin mandat? S'il vous plaît. Mais faut qu'à sa force ma raison. Quand il dit que celui qui est élu à 16%, il n'est pas légitime. La légitimité, c'est quoi? C'est quoi? C'est la qualité de ce qui est équitable. L'équitabilité. Il est moins légitime. Mais il n'est pas équitable. Il faut aller à 50%. C'est ce que j'ai évoqué la notion, il y a échelle. Il faut aller, voilà. Donc, l'équitabilité n'est pas là. De deux. Faut qu'à ça déjà répondu. S'il vous plaît. La deuxième question, Focas a répondu tant qu'on dit que le président n'a rien à perdre dans le Parlement. Il a perdu. Ce qu'il a dit Soudango, il a perdu parce qu'il n'a pas d'abord de moyens. On a quelques temps des élections. De deux. Qui te dit qu'il n'a pas les moyens, s'il vous plaît? Donc, parce que le premier ministre, le premier ministre a dit qu'il y a les moyens. Comment toi tu dis qu'il n'a pas les moyens? Il n'a pas dit ça. Les moyens, c'est quel moyen? Il a dit qu'il a les moyens. Il a les moyens. S'il vous plaît. Il a dit que. S'il vous plaît. Là, on compte dans la sociologie, sociologue. Maintenant, je vais expliquer aux amis pourquoi les régimes ici, à Olonato, il y en a deuxième. Terminé par là. Terminé. C'est le seul régime qui a eu beaucoup d'alliances. Oh, bah, alliance, on écrit ma frustration. C'est d'abord la première peur. Voilà. Ça, on doit se le dire clairement. Bah, dis-le, ça, il régime, oh, tozoa régime, mon côté, dans Mboka, oh, et ça, là, bah, dis, oh, et décevoir, appartenir, n'est-ce pas, Tshisekedi. Car tout, n'est pas en odeur de sainteté, Tshisekedi. Caméré, s'il vous plaît. Oh là là, laisse-moi évoluer. Quand tu parlais, Navanda Kinyo, non, ça, on est fort. Calbert a été humilié en côté à prison, malgré tout ce qu'on peut dire. Il a détourné tout ça. Vous voyez Caméré revenir?
Vous voyez ici Mbemba, tout ce qui s'est fait. Vous avez senti les langages que Mbemba va emprunter? Mbemba, est-ce qu'il a soutenu avec Mambouya Yakadim? Bahati, Oazana Bangouna, Inyo Sake, Tango Banga, Basalanini, Kadima, Basani, le Parlement a. Qu'est-ce que le Parlement a entériné? Entériné. Bahati est allé à l'extérieur du pays. Il est revenu, il est resté bouche bée. Il n'a jamais dit mot. Apipata Momorote. Il n'a jamais soutenu cela. Donc, nous sommes dans un regroupement. Il y a Union Sacrée, Oyo, Sainteté, Oyo, Bosolo et Réalité. Et le peuple, le chef de l'État, a frustré mon partenaire ennemi. Kabila, qui était son partenaire privilégié, mon ami, Lelo Bazap. Et aller dans le deuxième tour, je ne vois pas tous ses partenaires frustrés par Tshisekedi accepter de s'allier avec Tshisekedi. Parce qu'attends que je vais vous donner une révélation ici. Quand vous parlez avec les caciques, il y a un partenaire Union Sona, ils vous disent que Kabila, c'était le meilleur de l'air dans le gouvernement de Sénégal. Batonyo so ya benda de Bocha, s'il vous plaît. Batonyo so échelle moko yassé. Mais avec Kabila, proportion, quand il faut, avec Tshisekedi, s'il faut compter. Donc, le régime actuel n'a pas intérêt de Kosango, bakene na deuxième tour. Parce que deuxième tour, bakomo na Batonyo so wana, Kosangana, basa la bloc contre Bango. Parce que, écoutez, c'est le seul régime où Ekangi, bah, leader d'opinion Belé. Kabila, abané ko menacé. Ça, je vous dis. Un directeur de cabinet, en fonction, à côté de la prison, et ça est maté dans Mbokao. C'est pour une première. Et pas le moindre. C'est lui qu'on appelle pacificateur. Nous avions connu des ministres leaders d'opinion à Bakouin. Batiaba en la prison. Ataba ça a des jours, Babima. Mais ça a quand même humiliation. Tâche d'huile. N'a parcours politique na Bango. Vous voyez ça? Nous avions connu dans ces pays où un partenaire majeur, n'est-ce pas, comme Moïse Katoumbi, être traité d'hypocrite. Par Bakassik et un régime. Ce qui ne s'est jamais fait dans l'ancien régime. Donc, nous sommes au monde et c'est aussi autour. La première fois, dans la famille politique Mongo, Bakassik, il y a opposition au bazar, un membre de l'Union Sacrée va traiter président comme parrain, il y a un détournement. C'est la première fois aussi. C'est pour une première fois. Donc, nous sommes maintenant dans le Mongo Boye, deuxième tour. Ben, Ndekonabiso actuel, ben, après, ok, n'est-ce pas, ça, il faut se le dire. Ndekonangaï, Patrick, ici, il faut pas dire que, écoutez, les sensationnels, non, les députés, c'est la bouche autorisée de dénoncer ce qui se passe dans le Parlement. C'est aussi son rôle. C'est aussi son rôle. Je vous dis, écoutez, mais est-ce que tu l'as terminé? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais le fait de le dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un intellectuel. Il est en train de le dire au conditionnel. Il est en train de le dire au, il est dit pas au conditionnel. Il affirme ce qu'il est en train de dire. Vous pensez que c'est un petit enfant? Donc, bref, Ndeko Sango. S'il vous plaît, allez-y. Bref, Ndeko Sango. Bref, Ndeko Sango. Ici, il faut dire que ce qui se passe actuellement, Bandeko Banga Kondi Mangote, il y a déjà un problème. Malaise, et Zanakati, il y a majorité. C'était une majorité créée sous menace. Parce que menace, on a si va franchir ligne à menace. Na minute, ce sont les députés qui n'ont rien, qui n'ont plus rien à perdre. Donc, na minute, tu commis de Kosango, les pays, ils en a pas on risque, n'est-ce pas, il y a Kota, na arriéré, il y a loi électorale, c'est sûr aussi, le Sango. Très bien. Alors, on a fini. Accorde-moi juste 30 secondes. Oui, oui. Ndeko Gauthier a joué un dire, bah, tu n'as erreur, Pamba. En disant que, bah, dit, on n'a jamais connu un régime où Assali bah, dit les décevoir. Mais attends, les deals, tu parles du cash FCC, c'est ça? C'est pas un deal. Ok, ce deal-là, le jour où le président a cassé ce deal-là, il y avait quoi dans l'opinion? Bah, tu vas jubiler. Et ça, sur le plan électoral, tu penses que c'est une défaite pour Tshisekedi? Il a marqué des points. Et à ces petites populations, le fait d'avoir arrêté son directeur de cabinet à trahir deal. Attends, le jour où procès en est Fungami Ao, tu as vu ce qu'il y avait dans la rue? Attends, et lorsque on l'a, lorsque la justice a décidé, il y a coupé sa liberté provisoire. Tu as vu ce qui s'est passé à la cité? Oui, bah, il faut vous. C'est aussi la même chose. La population était contente. C'est pour vous dire que, en résumé, Badil Nyonso, Tshisekedi a salagi sur le plan politique. Quand il a trouvé que ça allait à l'encontre des intérêts du peuple, elle a cassé Yango. Les gens ont jubilé dans la rue. Les gens ont jubilé dans la rue. Donc, sur le plan électoral, ça profite donc, ça frustre les opérateurs politiques, mais le peuple est dans la joie et ça, ça lui profite sur le plan électoral. Attendez. Calmez-vous, s'il vous plaît. On a arrêté. On va s'arrêter là. 30 secondes, c'est très important. Nanaloba. Tu as commis un deuxième tour. Il y a deux candidats, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Les hypothèses, Fayoulou doit se prononcer entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi.
n'aura pas sa réponse. N'aura pas cette hypothèse. Pour la bête, bloqué, ça va lubi. Donc, comme il y a deuxième tour, il y a deux candidats, Félix Tshisekedi, na Moïse Katumbi. Fayolu doit se prononcer. Dans le bézard, il y a lubi. Bakambo, ba toru, ba tout, ba zolo, ba, o ba frustraki, o ba nin. La pèse d'abord, parce qu'aujourd'hui, Fayolu, toro minimisé, te, azana, na, je dirais, azana ancrage. Premier mot, tout ça, azana, deuxième tour, te, or, on s'est prononcé, o ba tout, ba rolanda, yewana. La pèse ka hypothèse, les deux là, ba commis, la deuxième tour, Fayolu doit se prononcer. Ça, il peut s'en la réponse. Déjà, il faut que ça ne très bien, merci. Regardez ça négo focus ba député Bélé Bazali ba au basala ba siège où ils ont permettre ba l'en contact en permanent la base na bango j'en connais plein il y a parti politique na lobby na lobby ya hier j'en connais plein Eliezer Azana na ko tangelo Gika lo Jazana Kibuka Raphaël Azana na ko pe sona ba adresse na bango ba place à Bilo ngo ça c'est bazande mukié mais baba au bazana ngo bazana et le travail doit être fait là exactement donc ça c'est tout à fait normal na yebi Bélé ba au bazana ngo de ce côté là. Très bien. Mais bon, bazar, n'importe quoi, bazar. J'aurais appris même que l'ensemble les lots, bah qu'on a retrouvé siège naïe à Zongelipé parlement. Ce qui est normal. J'aurais appris, hein. Il semblait que ce soit. Bon état des droits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure, le même plaisir, le même travail, en compagnie de Boussole Télévision avec la grande équipe. Moi, de la femme, c'est la femme qui nous filme, c'est la femme qui nous habille ici. Elle ne fait tout là, la femme. Voilà, Willy Bakonga est là. Il y a moi la plénière, Bomoni. Donc, Kulutunangai, Bokila Lokondwe Fapekato, moi la Zongeli Kela, c'est Willy Bakonga. Kulutunaluliyo, Suki Sutunaluliyo. Alors, on va terminer. Denis Lessi. Kanga Bana. Bano Bazagoya, Kobandana. Eliane Bafeno, Kobanda Peniel, nawe mususu na moni abakisi ya walobi epa ya Mike. Papa bazamo ebele. Yondo soki zawadi. Yondo za evegi ya barere. Oyebi bana wana. Bango bayaka pana yo. Mususu oyebi bango, oyebi ba histoire na bango. Mingi na yoka kolobi, oyebi bango na bubebe. Donc oyebi makambo bana wana. Na bondeli yo. Oyebi makambo ebele. Denile si sala nyoso buzobo eza na television toyo kangote pimisa ata sata ena sata de ya Poutine wa eka ngalanu makamboyo. On est fatigué, c'est une église. Bo épargne biso la spectacle désolant s'il vous plaît. Toi na besoin ko zanga na ba nouvelle ya bolumbu na binote toza nango besoin te. Église de réveil. Non, il n'y a plus de réveil. Église a pongi. Denile si. Na pesio demande na ngai Denis Lessi. Na pesio demande na ngai. Kanga bango na singa. Kanga bango. Bale ka sou na TVT. Soki moto ye moko akomi ne sika moko basali mabe na bango. Bato viole bango na ba programme. Aya kolo bango wa te. To anango besoin te. Kanga bango na singa. Yon to ebi bango malamu. O ebi masolo na malamu. Nga la kokota mingi te. Pesa bel ser mbote. Mama tina. Wanandeko nanga masha mumeno. Allez. On a fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. À très bientôt.